Eh bien, bonsoir à tous, ici Mika Art Gaming. On se retrouve aujourd'hui sur GTA RP. C'est parti. Est-ce que je parle? Ouais, c'est bon. Eh, mais c'est... Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Ross Crane. Je me présente Aaron Mastralia, agent du LSP. Oui. Alors, si je me trompe pas, vous êtes avocat. Avocat comme commis d'office, oui. Ouais, c'est ça. Bah, écoutez, on aurait besoin de vous pour quelqu'un, du coup. D'accord. Concernant, je sais pas si vous en avez entendu parler, concernant la prise d'otage d'hier soir. Ah, pas du tout, non. J'étais... Pas du tout, je suis pas au courant. Et bah écoutez, du coup, on... il a demandé un avocat, donc on vous appelle. Donc, je sais pas si vous êtes disponible là maintenant. Non, pas pour ma... Je peux... si, si, je suis... faut que je prenne mon service et je peux arriver. Ah, attendez, je demande... En combien de temps faudrait que vous soyez là? Bah, je demande... Je vous dis quand est-ce qu'on aura besoin de vous sur le moment. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous envoie un message et puis voilà. Ok, ça marche. Eh ben merci bien, monsieur. Bah, de monsieur rien. Crane. De et, rien. Et puis bonne soirée, bon courage. Merci à vous aussi. Ok. Par contre, faut que je modifie. Faut que je modifie ça là.
Hop, on fait comme on peut. Hop. On va essayer de corriger, de faire l'avocat correctement, parce que c'est pas évident. Allez, c'est parti. Par contre, vous verrez pas la carte, comme vous verrez la carte que comme ça. Hop. Je vais prendre la voiture. J'espère que le proc l'a pas pris. Non, c'est bon, parfaitement. Hop, on va ouvrir le portail. Allez, c'est parti, les gars. Rose Crane, il arrive. Je joue avec la manette PS5 qui est là, c'est énorme. On va signaler notre présence. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je peux vous aider? Oui, bonsoir. On m'a appelé pour. Je suis avocat, commis d'office. D'accord, mais l'officier va s'occuper de vous là. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Je suis. On m'a appelé pour un suspect qui s'est fait interpeller pour une prise d'otage hier et il a demandé un avocat. Alors je suis un avocat commis d'office. D'accord. Pouvez-vous me donner votre carte d'identité, s'il vous plaît, que je vérifie? Bien sûr. Hop, bien sûr. Bien sûr. Voilà. D'accord, merci. Monsieur Cranros. Effectivement. Je vais vous faire entrer, je vais vous accompagner. D'accord, il n'y a pas de problème, merci. Je vous suis. Allez, c'est parti. Encore un qui a fait des bêtises. Ah bah ça. Ça marche. Disque à Vous 230. avez pas essayé d'appeler Maître Benami? Bon bah, l'appel vient pas de moi du tout, donc. D'accord. Je vous laisse rentrer. Oui, allez-y. Merci. Qui a fait une bêtise? Ah bah c'est le monsieur derrière là. Le braquagien. D'accord. C'est Bah, voici l'avocat commis d'office. Ok. Très
Et respect, maître. Merci. Je vous laisse. Je vous ouvre la porte, je vais vous entretenir avec votre, votre client. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Et vous? Bah, ça pourrait aller mieux, ça pourrait aller mieux. Bon, je suis l'avocat commis d'office que vous avez demandé. D'accord. Alors, dites-moi tout. Alors, il vous explique depuis le début. Oui, allez-y. Maître? Oui. Le juge est présent à 22h15. Par contre, moi, vous demandez d'aller en salle d'interrogatoire, s'il vous plaît, pour parler ouais, à votre possible, client. D'accord, je vous accompagne. Ça marche. Bah, je suis. Vous mettez la première, là, au pire. Bon, voilà. Je vous écoute. Ça marche. Alors, j'ai été arrêté pour braquage et prise d'otage. Alors, comment ça s'est passé? Moi, j'ai à la base, bon, je vous le dis à vous, mais bon, j'ai pas fait des choses bien dans ma vie. Et oui. Je sais me servir d'une arme. Très bien, même. Et j'ai été recruté pour ça. Moi, je fumais un petit joint sous un pont, il y a des mecs qui se sont ramenés, qui m'ont dit qu'ils me connaissaient. Oui. Et ils m'ont recruté. Moi, j'étais d'accord parce que je me faisais de la thune. Et puis bon, ça commençait à être la merde, je suis chômeur. Alors voilà. Donc vient le coup, vient le casse. Donc il y a notre négociateur, qui est le chef, et deux personnes, on est quatre. On avait pris un otage dans la rue, qui venait déposer de l'argent, je sais pas. Il est passé, on l'a pris. Du coup, il y a les policiers qui sont arrivés, on a fait notre patatras, on a reçu l'argent, et vient le moment où on part. On avait négocié, comme quoi la police nous laissait bien partir, et qu'on faisait une course poursuite. C'est toujours mieux, ça évite des coups de feu. Donc on part, et quand on est parti, le conducteur qui est débile, il s'est bouffé un poteau. Ah oui. Il s'est bouffé un poteau, on s'est arrêté. Moi sur le coup j'étais sonné, et j'entends les sirènes de partout, moi je sors du véhicule, mais tout le monde reste à l'intérieur, donc je commence à courir, je cours. Et je comprends pas, bam, j'ai super mal dans les côtes, et en fait je m'étais pris une balle. Et donc après je me suis arrêté, je me suis fait arrêter. Ouais, c'est tout con. Et j'ai même pas d'arme dans les mains. Ils m'ont tiré dessus, ces connards, j'avais même pas d'armes dans les mains. D'accord, vous avez pas d'armes C2 avec vous, alors vous avez pas de couteau ni de pistolet, si je comprends bien. Si, sur le coup j'avais un pistolet, mais je l'avais pas sorti, je l'avais gardé sur moi. Quand je courais, je préfère courir les mains libres. D'accord. Donc j'étais dos à la police, et j'ai pris une balle, je sais pas de qui, je sais pas comment, et voilà. Et à l'hôpital, ils m'ont opéré. En plus, à l'hôpital, ils m'avaient laissé les menottes, j'ai mis à me faire opérer avec les menottes, c'était n'importe quoi. Et puis voilà. D'accord. Bah, je. Donc, bon. Mais... Allez-y. Bah, ça m'étonnerait que je prenne une amende quand même, parce que bon, là, je peux demander des dommages quand même. Bah, je vais voir là, avec les agents qui vous ont arrêté. Et bah, ça marche, parce que là, même, y a même pas de Cévital, y a rien du tout, là, ils sont dans la merde, concrètement. C'était même pas la légitime défense. Hein. D'accord. Bah, je vois avec. Je vais appeler un confrère avec moi qui va venir aussi. Je vais voir. Ça marche. Je vous attends ici. Ça marche. Il faut que j'appelle Bellamy. Parce que là, c'est compliqué. Ouais. C'est bon, vous avez fini du coup. Il m'a expliqué un peu tout ce qui a été dit. Ok. Tout ce qu'il a fait. Et vous avez un dossier de procédure ou un truc comme ça. Faut voir avec monsieur le procureur du coup. D'accord. Il y a que lui qui peut vous le transmettre directement. D'accord. Bah je vois avec lui, j'appelle aussi un Frère qui va m'aider aussi. Du coup, il n'y a pas de problème. Ok, bah allez-y du coup. Je vous laisse aller. Non, c'est l'autre côté. Là, ouais, par là. Ouais, mais je vais appeler Maître Bellamy si il peut venir aussi. Ok. Je vais demander au monsieur de revenir. Ouais, Bellamy. Dis-moi, est-ce que tu peux venir au commissariat? Je suis avocat commis d'office pour un individu qui a fait un braquage et une prise d'otage hier. Du coup, je suis au commissariat. Est-ce que tu peux me rejoindre, s'il te plaît? Là, je peux pas, je suis pas dispo là. D'accord, ok. Bon. Bon, bah, je vais improviser. Hein. Ouais, ce que tu fais, tu prends la plaidoyance, tu écris à peu près en bref en fait
fait, ce qu'il va te dire, c'est son histoire en gros. Prends le PV de garde à vue, tu demandes bien le PV de JAV et voilà. Ok, bah je devant le PV de JAV, il n'y a pas de problème, ça marche. Ok. Ok, bah je te tiens au courant. Ça marche. Du coup, il faut que j'ouvre ici. Tac. Hop. Hop, on m'a passé les... On va prendre le code pénal. Hop, le deuxième. Et le troisième. Alors, par la procédure du code pénal, la loi prenne une appli d'information Terry, ok, à Santos. Salut Nat. Je vais le rappeler pour que de voir ce qu'il me demande. Ouais, heureux, désolé. Ouais, est-ce que tu peux m'écrire par SMS ce que je dois demander, s'il te plaît? Demander. Le PV de garde à vue. Le PV de garde à vue, d'accord, bah je demande ça, ça marche. Voilà, le PV de garde à vue, au pire envoie-le moi par mail. Ok, ça marche, je fais ça. A plus tard. Ah, il a raccroché. Comment vas-tu? Ça va, merci. En face du jeu. Ouais, ça c'est clair et net. Bonsoir monsieur Crane, bonsoir maître. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous en êtes où là? Bah je... J'ai pris mon... comment dire, le témoin. Oui. Sur un braquage. Le témoin. Ouais, non, je comprends. Oui. Je me comprends. Est-ce D'accord. que je peux avoir le procédure de la garde à vue s'il vous plaît? Bonsoir. Est-ce que vous avez accès, vous avez accès au SIG? Mes respects, messieurs. Bonsoir. Mes respects. Je sais pas si les avocats ils ont accès. J'en ai. Alors la bonne question. Ah non, c'est vrai. Le problème, ouais, c'est que. Oh. Au pire, je peux. Comment on pourrait faire? Vous voulez voir quoi, le rapport d'intervention? Ouais, il veut voir le PV de Javé. Le PV de Javé. Oui, c'est ça. Mais est-ce que je pourrais pas lui montrer en entier du coup? C'est ça le truc. S'il y a pas accès. Ce que j'allais dire, au pire, je prends une. Avec mon téléphone, je prends une photo du rapport d'inter, mais j'aurais pas le truc en entier, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Ah, purée, même là, attendez. Ouais, même le fichier créé est pas. Ouais. Non, il est pourri. Putain. Bah, j'ai pas fait deux photos, quoi. Ouais, bah, je vais faire ça. Vous êtes rapide et plus doué que moi, surtout parce que moi je suis pas doué en informatique. Hein. Si, ça je peux le faire, mais ouais, j'essaie de tout prendre en deux photos. Alors on va voir. Donc, alors, ouais, deux photos ça va être. Ouais. Va falloir trouver une solution avec ça d'ailleurs. Parce que ça... Ouais, mais les informaticiens sont sur le coup. Hein, mais... Ouais. Je vous mette les autres. Ouais. Le haut, je vais pas le mettre. Je vais mettre. Au pire, si vous me demandez, je vous les donnerai, mais je vous donnais ça. D'accord. Déjà. Tac. Alors, que je vous retrouve votre petite boîte mail. Alors, vous êtes où, tout que je vous trouve. Il faut que j'arrive à vous trouver. Les avocats. Ouais, ils sont dans les avocats. Sur l'intranet police, ils sont dessus ou pas? Oui. Ah ok, bon bah alors si ça. Dans l'intercom police, oui.
Police Doge, là, ils y sont. Ouais, ouais, ils y sont. Okay. Ah oui, parfait. Alors... Je crains. Alors, je vous envoie la première photo. C'est le début, c'est-à-dire on voit les faits qui lui sont reprochés et son, ce qu'il avait sur lui, en fait. Et là, je vous envoie le rapport d'Inter en deuxième. En deuxième. Tac. Je vais faire comme ça. Ouais. Si et puis vous pouvez vous préparer, envoyer ça à M. Benhami aussi. J'ai compris qu'il venait, c'est ça c'est, ouais. Maître Crail. Là, oui, il m'a demandé de lui envoyer la procédure et voilà. D'accord, bon, parfait. Bah, on vous laisse faire. Hein. Hop. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous envoie une troisième photo avec le tout début, c'est-à-dire l'heure de la détention, l'heure du placement en garde à vue. Enfin, l'heure d'interpellation plutôt et l'heure de la garde à vue. D'accord, ça marche, merci. Tac. Je vais faire de même avec M. Benhami. Vous pouvez lui notifier que vu l'heure, il reste 10 minutes avant la fin. Je vais rajouter une heure. Vous pouvez lui dire. Ouais. On va rajouter une heure. C'est trop grave. Ok, alors, on va recommencer. Et moi, je vais m'autoriser 5 minutes, 2 minutes de méditation. Hein. Bah, je vais regarder ça et. Je me mets sur. Voilà. Je me mets à côté. Ok. Pistolet, ok. Alors, mardi 6 avril à 23h30, le partout Adam compatible. Bellamy, normalement, il a reçu. Ouais, Ross. Ouais, Bellamy, il y a les policiers oui. Qui t'ont dû envoyer les copies que j'ai reçues. Ouais, tu m'as envoyé les PV de JAV, ça marche. Bah, en fait, ils m'ont envoyé, ils m'ont dit qu'ils feraient pareil avec toi, je sais pas si tu les as reçus. Ok, attends, je regarde. Vas-y. Je sais pas. Du coup, ils ont demandé une garde à vue d'une heure supplémentaire. Ok, arme à feu. Putain, lui, oula, il va se faire défoncer, lui, clairement. Ça va être compliqué, hein. Je pense. Retenir quelqu'un de sa volonté avec menace d'une arme, retenir quelqu'un de sa volonté de blessure, refus d'obtempérer, dissimulation, détention, port, usage, transport, vente, cession d'armes, catégorie A ou B, extorsion, viol. Oh, là, là. Bah, lui, il est dans la merde. Ouais, je suis d'accord. Alors. Les fêtes, mardi 6h du matin, le 23 patrouille à Damas, chaque coup. Ça s'est passé hier, il paraît. Du coup. On revendique 50 000 $ pour la libération de l'otage. Sac plainte numéro 23, victime souhaitant rester anonyme. Et... bah là, clairement, je sais pas. Bah, c'est compliqué là. Hein. Oui, je suis d'accord. Tous les faits qui lui sont reprochés, il a été pris en flag en plus. Enfin, ouais, il a fait un braquage quoi. Il s'est fait toper directement quoi. Bah, en fait, je t'explique ce qu'il m'a raconté. C'est que il était au chômage, voilà. Il s'est fait embaucher par des individus pour un braquage et tout. Et en fait, ouais. Le chauffeur s'est tapé un poteau. Et lui, en fait, les autres sont restés dans la voiture. Et ouais. Lui, en fait, il est sorti du véhicule. Il a couru sans sortir l'arme à feu hein, de base. Et ouais. Voilà.
Ok, essaye de jouer sur le fait qu'il a été embauché, engagé par quelqu'un, qu'il connaît pas les noms, blablabla, que l'arme à feu lui a été donnée, en fait, qu'il est, il est juste un bouc émissaire, quoi. Ok, je joue sur la procédure qu'il s'est fait embaucher par des personnes. Ouais, voilà. Tu joues là-dessus, tu dis qu'en fait, il s'est fait embaucher par des gens, et que, bah, en fait, c'était contre sa volonté, parce qu'il avait besoin d'argent, vu qu'il est au chômage, etc. Tu vois, tu passes pour la victime, quoi. Ouais, j'improvise, ça marche. Voilà. Exactement, tu le fais passer pour la victime, voilà. Comme je quoi, fais, ouais, ça marche. Et tout, il était dans la survie et il savait pas ce qu'il faisait, quoi. Ok, bah je joue qu'il s'est fait embaucher et qu'il jouait pour la survie, voilà. Qu'il était au chômage, voilà, et qu'il avait besoin d'argent. Ouais. Voilà, et que c'est pas à lui toutes les armes et tout, c'est qu'on lui a donné tout, voilà. Comme ok, ça marche. Voilà, je fais bon, ça. Bah, bon courage. Merci. De venir tout le temps pour les mêmes, donc à mon avis il faut leur faire comprendre que non, la loi elle se respecte et point quoi. Mais c'est vrai que c'est sur le... Oui, on est long. Ouais. Oui. Bon, j'ai... Oui. Je viens d'avoir... je voudrais... si on pourrait retourner dans la salle de... Ouais, bah allez-y, pas de soucis. Ça marche, merci. Vous pouvez le sortir, s'il vous plaît? Pourquoi vous voulez lui parler en prix Bah dans la salle d'interrogatoire. Dans la salle d'interrogatoire, oui. Ah, y a pas de souci. Merci. Hop. Vous n'avez pas besoin de me demander, hein, vous pouvez y aller directement. Hein. Il est là de toute façon. D'accord, ça marche. La première pièce, y a pas de souci. Bon. Ouais. Ouais. Bon. Je peux peut-être vous sortir d'ici, hein. D'accord. Alors, je vais, du coup, je vais jouer sur le fait que vous étiez au chômage, que les personnes qui vous ont embauché, vous les connaissez pas les noms du tout. Ah non, je voulais même pas. Voilà, que vous vous êtes fait embaucher par eux, que vous étiez au chômage et que les armes qui vous ont trouvées sur vous, c'est eux qui les ont données. Et qui m'ont tiré dessus aussi, ça vous pouvez utiliser ça. Oui, bah je vais leur dire, mais voilà, je vais essayer de faire ce que je peux. Voilà. Bah, concrètement, dans tous les cas, vous pouvez jouer sur le. Bah, ils peuvent me mettre 20 000 balles d'amende, après nous on va au tribunal, il y a des dédommagements, ils ont payé 40 000. Fin... Du coup, ouais, par mon confrère, Maître Bellanimi m'a dit qu'il fallait que je joue sur l'avantage que vous êtes une victime, que vous étiez au chômage, que vous vous êtes fait embaucher par c'est vrai, hein. Des personnes pas fréquentables, et que c'est oui, eux pas méchant, qui... Hein, ils voulaient juste de l'argent, quoi. C'est ça, je vais faire ça. Je vais jouer sur ce fait-là. Ça marche. Voilà. On peut y aller comme vous voulez, hein. De toute façon, je vais vous laisser parler un maximum, mais si vous témoignez, je suis là. Là, il me faudra un petit peu d'eau si possible. Vous êtes là, maître ? Maître ! Du coup, je vais tout faire pour vous aider. Ça marche, maître ? Vous m'entendez, maître ? Oui, oui, je vous entends. Ok, ok. Bah, deuxième point, on y va comme vous voulez. Oui, je dis que c'est tout bon. Ça marche ! Shlomo, il faisait appel. Donc dans tous les cas, ça allait au jeu. Ils sont où? Ouais. Bon, on peut aller comme vous voulez, hein, c'est tout bon. Ça dépend des procureurs. Mais alors, monsieur Benami, il est où? Bah, Benami, du coup, il peut pas être dispo. Alors, du coup, voilà. Bah, de toute façon, là, c'est plus nous qui gérons. Là, c'est les procureurs qui... vous avez été les voir ou pas? Non, mais je vais voir avec eux. Ouais,
visiblement... Monsieur le procureur. Ah bah attendez, monsieur l'avocat, vous voulez... Oui, maître. Oui, du coup, c'est tout bon, on peut aller quand vous voulez. Ok, laissez-moi 2 minutes, j'étais en train de finir moi de mon côté. Oui, allez-y. Et forcément. Il offre son 7, t'appuies souvent sur ta radio. Non, c'est pas moi. Monsieur le procureur, vous voulez l'auditionner là je vais juste lui dire qu'au vu de du rapport, il va passer en comparution immédiate. Ok, ouais, on ça, vous laisse. Oui, ça j'en ai pour 1 minute, mais je suis en train de terminer moi, vite fait. Y'a pas de souci. Et après on y va. Mais je vais voir avec mes supérieurs pour qu'on essaie d'améliorer la rapidité, pour que ce soit un peu plus efficace. Parce que là, ça va, on a qu'une personne, mais j'imagine si on aurait eu 3 ou 4. Ça aurait été un bordel pas possible là, pour transmettre le dossier à gauche, à droite. Oui, on est d'accord. Il faut améliorer ça. On est tout à fait d'accord. Il va falloir trouver une solution. Hein. Mais oui, tout à l'heure, c'était moi, parce que quand j'ai dit par téléphone, ma radio buggait. Ouais, pas de soucis. Non, mais en soi, il n'y a pas de soucis. C'est juste de temps en temps, bon, c'est pas chiant. Des fois, ça peut vite être chiant. Surtout moi, des fois, je laisse la radio au cas où il y a un gros truc, tu vois, comme t'es seul. Le souci, c'est que si tout le monde fait ça pendant que je parle à la gouvernante ou que toi, t'es avec M. Baker en train de l'aider, tu vas voir que c'est vite chiant. C'est pour ça que je préfère prévenir. Ah, bon, mais après, pour tester, voir mon radio était réparée. Hein. Ouais, il n'y a pas de soucis, t'inquiète. En soi, là, ça dérange pas. Si tout le monde commence à le faire. 20 000 fois quoi. C'est non, on m'a dit que j'ai vu que la radio est plus buggée qu'on entend. J'arrête. Du coup, j'essaie de régler les soucis, mais la seule chose que je peux voir, comment je peux voir que c'est réglé, c'est. Ouais, c'est sûr. Mais en soi, y a pas de soucis. Tu préviens, y a pas de soucis. Que je t'ai prévenu derrière. Tu as. Non, mais. Ouais, y'a pas de soucis. Mais en soi, t'inquiète, je t'engage pas à toi. Ouais, non, mais je t'explique. Monsieur Austin, c'est vrai que vous avez trouvé. Mais ouais, lui, il va payer cher. Hein. 224 000 dollars. 10, 30, 40, 50, 58, 62 heures de prison. Alléluia. Il a fait quoi? Ouf. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, c'est tellement chargé que tout le monde a oublié quoi. Non, mais il a fait une liste longue comme le bras alors. Ah oui, d'accord. Mais c'est quoi le plus grave qu'il ait fait? La détention d'armes de catégorie B. Après, il a fait kidnapping, retenir quelqu'un contre sa volonté, refus d'obtempérer, dissimulation du visage, extorsion. Alors, extorsion, je vois pas pourquoi par contre. Mais ça, je vais le mettre quand même. Violence commise à main nue. Ah oui, mais c'est parce qu'il y a un témoin, mais il veut pas témoigner. Ah si, la plainte. Alors la plainte, la personne souhaite rester anonyme. Par contre, j'ai pas trouvé la plainte, c'est ça, purée. Que je... La plainte numéro 23. Ah si, c'est ça là. Je vais voir juste si la voiture elle est un Davis. Je vais voir la voiture elle si okay. Toujours la Bell Explorer. Il veut le comparer immédiat. Ouais, bon, le procureur il veut le faire compatre immédiat. Il veut faire une comparution immédiate. Ouais. Oui, c'est normal, c'est du criminel, oui. C'est pour ça qu'il passe devant le juge, oui. Ok. Du coup, je dois aller au tribunal après. Ouais, t'es obligé de le faire passer en comparution immédiate, oui, t'es obligé, là. Ouais, mais c'est ce qu'il veut faire, le proc. Il a dit qu'il le passait en comparution immédiate. Ok, bah, ça marche. Bah, ouais, tu suis, hein, tu vas avec le juge, enfin, tu... Voilà. Hein. Ouais, bah, ça marche. De toute façon, je joue sur ce que tu m'as dit. Et voilà. Ouais, tiens la version que je t'ai dit et puis c'est bon. Ouais, ça marche, y a pas de problème. Parfait, allez, ciao. Ciao. Effectivement, on va pas confronter à lui, mais vous allez vous retrouver en face quand le juge va vous appeler à la barre si vous souhaitez témoigner. Comme vous voulez.
Oui, parce que normalement, d'ici 22h15, on l'emmène au juge. Hein. Ok, ouais. J'attends votre coup de fil. Hein. J'aurais dû réagir plus tôt. Et du coup, mais ouais. Du coup, en attendant, je vais vous poser ma question, parce que moi, ça va m'enlever ça de ma tête. Si... T'as beaucoup de choses dans ta tête. Oui, oui, c'est pour ça que je suis en train de ma tête. Ouais, au moins, mes doutes sont enlevés. T'as à boire sur toi. Par exemple, si. Vraiment rien, je devais aller chercher avec Chano. Par exemple, j'aurais envie de procédure. Peut-être ouais, pas de. Par exemple, 684 est énorme. Je prends un exemple sur toi, 684. Et que, ben, il sait prendre, etc. Que les agents de police oublient de prendre en photo, ils le mettent sur le. Bon, il faut que je joue sur le fait. Sur le client. C'est fait embaucher. C'est vrai que ça c'est vrai que c'est un gros flou pour sa volonté. Moi. Oui, on arrive parce que j'ai quitté au chômage. On arrive dans 2 minutes, on va faire un aller-retour pour chercher à manger et à boire. Oui, allez-y. Les personnes qui l'ont embauché les personnes l'ont embauché, ben il connaît pas les personnes qui l'ont embauché et que c'est lui-même la victime et que les armes qui étaient sur lui sont pas à lui, c'est aux personnes qui lui ont passé du coup je vais faire passer mon client pour une victime et voilà. On pourra aller chercher. Bah oui, mais hier, Austin il s'est fait baiser alors. Parce que hier, du coup, l'avocat il a soulevé un vice de procédure, mais les policiers ont raconté je sais pas quoi et c'est pas passé en vice de procédure. Ouais. Sauf qu'ils sont allés du coup en saisie. Moi, c'est-à-dire que si les flics ils ont une AK-47 en saisie, je la pose sur la table et je dis bah c'est. La procédure, c'est le proc après qui décide. Hein. Oui, monsieur. Alors normalement, ça doit être 22h15. On n'a toujours pas transféré le prévenu. Que je vous rappelle dès qu'on le transfère pour que vous soyez... Demandez si le procès est ouvert au public. Ok, oui, je vous en prie. Oui. De toute façon, vu que c'est un témoin, forcément, il va être ouvert pour lui, hein. Mais ouais, mais du coup, ça ne répond pas à notre question, monsieur. Le proc décide de relever le vice de procédure ou pas. C'est son choix. Bah, du coup, il l'a pas relevé. Bah, voilà. C'est son choix de relever les vis. Ok, donc c'est les flics, ils ont les armes là, ils ont le droit d'aller chercher les armes et après, effectivement, c'est comme le même problème qu'on a vu avec Xavier Carson, là, où le au moment de son interpellation, il avait une arme et bon, il y a eu un petit souci, la police lui a demandé de jeter l'arme dans l'eau, dans la mer. Là. Et du coup, bah, si on pouvait déjà avoir, c'était bien marqué qu'il avait une arme, mais elle n'était pas présente pour la simple et bonne raison que elle était au fond de la mer. Mais le policier étant assermenté, si justement au moment du procès, lui dit effectivement il y avait une arme et ça s'est passé comme ça, je lui ai demandé de jeter son arme parce que on pouvait pas le récupérer ou quoi que ce soit et donc, une personne assermentée bien évidemment que ça va être considéré qu'il avait une arme. Bien alors, la deuxième personne qui est là. Ok. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, du coup nickel, mais du coup pour revenir un peu au sujet qui est un peu compliqué, pour le moment on suit le code pénal, il n'y a aucun document. Par rapport aux herbes de Provence, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Si, ça va tomber. Ah ouais? Ouais. Bah oui, forcément, ça tombe maintenant. Il aura fallu quand même que j'aille dans la... Ah non, mais moi, j'ai pas les quantités, j'ai rien, quoi. Le mec, il peut transporter un semi-remorque de... Enfin, bon, bref, je regarderai ça plus tard, j'ai autre chose en tête, là. Ah. Faut que je finalise le truc, là. Il faut que je finalise ma procédure. Bonsoir. Bonsoir monsieur, mes respects. Dites-moi, est-ce que vous auriez vu mon sergent-chef? Est parti se ravitailler vite avant de transférer le prévenu au tribunal. D'accord, ouais, parce que du coup j'ai vu avec mon gradé, du coup on a les affaires du monsieur qui vont arriver dans 5-6 minutes. D'accord, et je préviens le juge alors. On n'arrivera pas avant 22h20 on va dire. Donc je vais voir avec mon capitaine et puis je vais rendre les affaires de monsieur. Au courant de toute façon. Oui. Mais par contre, ce que j'aimais bien, c'est que monsieur Austin, quand même, demandez notre avis. C'est quand même sympa.
On est obligé d'attendre encore. Zut, bon ben. Ils bougent pas leur cul. Hein? Ils bougent pas leur cul. Bah, ça sent pas très bon pour vous, en tout cas. Pourquoi non? Vous allez être vous allez être comparon immédiat. Vous allez direct au tribunal. Pourquoi non? Vous allez être jugé ce soir. Un tribunal? Oui. Sans interrogatoire avec un procureur. Mais c'est original, ça. Mais je pense qu'il va venir vous poser des questions, mais... voilà. Qu'il vienne, qu'il vienne. Il perdra le coco. Il y a un de ces flics qui m'a tiré sur moi, j'ai pas d'armes. C'est lui qui va perdre. Il faut attendre du coup. Après, qui s'est été arrêté? Je suis désolé, il n'y avait pas le droit. Après, s'ils étaient fins avant, tant mieux, mais. Pour moi, si le droit d'exercer était fait après qu'il ait été arrêté, je suis désolé, mais non. Ouais, Otto. Oui. Ça va? Et toi? Bah, ça va, très bien, merci. Bon, je suis au commissariat, là. On m'a appelé pour une affaire. Du coup, ouais. J'attends. C'est long. Ouais, tu m'étonnes. T'es. Moi, je suis à la vente aux enchères. Ah, t'es à la vente aux enchères pour? Des véhicules à acheter. D'accord, ok. Ouais. Bon, après. Hey, dis-moi. Oui? Tu veux pas une coccinelle par hasard? Bah ouais, mais après ça dépend combien elle coûte, hein. Alors franchement, elle est full perf. Oui. Full perf, 80 km au compteur. Et je te la laisse pour 55 000. Ouais, bah je suis très loin de les avoir, les 55 000. Hein. T'as combien? Du coup, voilà, pour le moment, je suis avec la voiture du travail. Je l'utilise de temps en temps. T'as combien là actuellement? Je sais, j'ai pas regardé sur mon compte du tout là. Ah. Bon, par contre, je dois peut-être aller avoir 700 000 par là. T'as 700 000? Bah ouais. Je pense, hein. Non mais 700 000 dollars? Ouais, je pense, je sais pas, j'ai pas regardé mon compte encore. Attends, 700 000 ou 70 000? Non, 700 000. Je pense, hein, je sais pas, j'ai pas. Comme je t'ai dit, j'ai pas regardé ce qui était arrivé sur mon compte, alors. Voilà. Non mais 700 000, c'est énorme! Après, je sais pas du tout si je suis là, je dis un chiffre comme ça, mais je suis pas allé voir. Du coup, voilà. Parce que là, 55 000, tu les as du coup? Ouais, non, mais je suis pas sûr de les avoir. Hein. Ça fait longtemps que je suis pas retourné. Hein. Ok, ça marche. Bah, dis-moi, coup, parce que j'ai quelqu'un dessus. Mais tu sais, c'est les anciennes coccinelles, elles sont magnifiques. Franchement, franchement, magnifiques. Ouais, ok, bah, je vais voir. Par contre, une fois que t'as fini ta vendange en chair, j'espère qu'on pourra aller au moins boire un verre là. Bah, t'es au commissariat combien de temps? Bah là, je sais pas, on a encore pour un petit moment. Je pense que je t'appelle une fois que j'ai fini. Ouais, ça marche.
Ça marche. Et regarde sur son compte parce que si tu veux, je la vends la coccinelle vraiment. Ouais, je regarderai. Je sais pas s'il y a un. Je regarde et je te dis. Parce que ouais, franchement, je pense que tu kifferas. Bon, après, faut la custom esthétique à ton goût, quoi. Mais elle est full perf et c'est une bête d'économie, là. D'accord, bah je regarde et je te rappelle. Ça marche. Bah, allez, vas-y, bonne soirée, à tout à l'heure. Toi aussi, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors, par contre... Ouais, Otto. Bon, j'ai regardé sur mon compte, je suis à 900 832, alors je suis très loin de les avoir. Hein. Non, mais je la vends 50 000. Ouais. 55 000. Si t'as 700 000, tu les as. Bah, tu comptes 900 832. On dit 900 000 normalement, c'est ça? T'as combien de chiffres? 4. Ah mais t'as 90 000 alors. Bah j'ai un 9, un 8, un 3 0. Et un 2. T'as quoi? J'ai un 9. Ouais. 8. 3, 2. Ouais. Ah mais non, t'as que 9 832. Ouais, c'est tout ce que j'ai sur mon compte. Mais c'est pas 900 000 hein. Ouais, Ouais, je me trompe un peu. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Du coup, voilà. Ça marche. Bon, à plus tard. Bon, bah, de toute façon, on essaie de se voir dans la soirée. Ouais, ça marche, y'a pas de problème, à plus tard. Ouais, ciao, à plus tard. À ciao. Ok. Tout est fermé. Oula. Pas là que je dois aller. Pas moi qui mettrais ces sonneries. Bon. Mais vous pouvez me faire ah, ça va, attends, je suis en comparution immédiate là, donc j'ai pas trop le temps. J'ai oublié de préciser. Comme quelque chose qui est incroyable. Oui, il quoi? Il y a un ami à moi qui était témoin. Témoin d'accord. Qu'on m'a tiré dessus. D'accord. Est-ce que vous voulez son nom, son numéro de téléphone? Non, il n'y aura pas besoin. J'ai une stratégie, vous inquiétez pas. Les gars, mon directeur, ils ont perdu en fait. Légitime défense. Si je suis pas armé, si je cours, ils n'ont pas à tirer. C'est terminé. Ils peuvent aller devant le juge s'ils veulent. Hein. C'est terminé là. Bah, vous êtes en coopération immédiate, alors, de toute façon. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils vont perdre devant le juge, quoi, mais bon. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai une stratégie, ça devrait aller. Bah c'est que j'ai jamais vu un procureur qui dit qu'on va devant le tribunal. Il m'a même pas interrogé. Il me dit les faits qui me sont reprochés, il connaît même pas l'affaire.
De toute façon, moi je connais un peu l'affaire, tout ce qui a ouais, été. Vous connaissez toute l'affaire, vous. Vous êtes mon avocat. Oui, il y a aussi mon confrère, Maître Bellamy, qui a aussi. En plus, j'ai deux avocats, mais c'est incroyable, on va gagner. Il a ce qui a été dit, mais c'est pour ça qu'il m'a dit de sa stratégie à lui, c'est de jouer que vous êtes une victime, que vous étiez au chômage et que vous avez eu besoin d'argent et qu'on vous a embauché. Allons devant le juge. Je suis au chômage. Ouais, attends. Attendez. Oui, monsieur. On va partir du coup là. Ok, ça marche. Vous nous suivez par vos propres moyens du coup, monsieur l'avocat. Oui, j'ai ma voiture. Je vous décroche, monsieur Barreau. Ça marche, ouais. Hop. Je vais bien voilà. Leur donner encore un petit panini, ce serait cool. Ouais, on va faire ça après. Ah, mais j'ai un panini, c'est bon. Bon bah. Toum, 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 toum. Bon, ça va être chaud là. Je passe au même endroit que vous ou je passe en haut? Oui, suivez-nous. D'accord. Bah non, passe en haut parce que nous on va passer par derrière. Oui, et bah je passe en haut. Bon bah on va jouer sur la défense que je peux hein. Je suis perdu moi. S'il est parti ou pas du tout. Termine juste ça, bonsoir. Il m'explique. Bonsoir, une petite minute, je suis au téléphone. Allez, ok. Ouais, pardon. Je termine. Putain, comment je sors d'ici, moi? Bonsoir. Bonsoir. Vous savez où je peux sortir? Alors, ce n'est pas ici, cependant, je pense qu'il faudra descendre les escaliers et demander. Excusez-moi, monsieur, dites-moi. Oui, je cherche la sortie. Vous. La sortie? Vous êtes perdu, venez, suivez-moi. Oui, je suis un peu perdu. Et voilà. Merci beaucoup. De rien.
Bon bah c'est parti. De toute façon je vais jouer sur que c'est lui la victime qui s'est fait embaucher parce qu'il avait besoin d'argent. Et voilà. Oui. Oui, bonsoir, monsieur Crane. Oui. Oui, bonsoir. Vous êtes en comparution immédiate ou enfin est-ce que ça a commencé ou pas encore? Ça va commencer là. Ça va commencer, d'accord. James Woods au téléphone, j'ai été si vous voulez par rapport à l'individu parce que j'étais informé pardon que notre ami Clyde Barrow a été arrêté donc par le LSPD hier et du coup informé également de par le LSH de la balle qu'il a prise et si vous voulez j'ai été témoin on va dire des lieux présents lorsque le flic oui l'agent du LSPD a tiré sur l'individu. D'accord. Vous êtes en appel. Voilà donc servir comme témoin je ne sais pas s'il est possible. Je pense, mais je vais voir avec le proc. Il n'y a pas de souci, parce que justement, j'ai appelé monsieur Baker Curtis, du coup, pour lui dire, en fait, je voulais vous appeler. Et comme un procureur, lui, est censé, on va dire, attaquer et non défendre, du coup, l'individu en question, je me suis dit qu'il me devait, donc, de mon devoir, de vous appeler directement. Oui, mais de toute façon, je pense que si vous êtes témoin, vous êtes, du coup, vous allez être appelé à la barre, je pense. Du coup, j'imagine. Je pense, rejoignez-nous au tribunal. Hein. D'accord. La contribution immédiate va commencer dans combien de temps? Là, je sais pas du tout. Je vais voir. Ok. Bah écoutez, moins on perd de temps, mieux c'est. Je vais faire un petit tour pour faire mes courses vite fait et on arrive. D'accord, ça marche. Merci à vous. Merci. Au revoir. À tout à l'heure. Ah, monsieur Crane, très bien. Ok, c'est bon, je ferme les deux. C'est bon, les portes sont fermées. Okay, allez, hein. On y va, monsieur Crane. Attendez, monsieur, oui. J'ai eu un appel d'une personne qui était témoin, qui s'est fait tirer dessus, du coup, il devrait pas tarder. D'accord, bah écoutez, vous le faites rentrer quand vous voulez, vous avez les clés, hein. D'accord, bah, il a dit qu'il allait faire des courses et... voilà, je lui ouvrais la porte. Eh ben à ce moment-là, il va falloir prévenir le juge d'entrée de jeu qu'il y a un témoin qui est censé arriver. Voilà. Oui. Il sera en retard, hein, parce que oui. Bonsoir, monsieur le procureur. En effet, je me disais qu'il manquait bien quelqu'un. Oui, bonsoir. Allez, votre avocat, à côté de votre client. Il n'y a pas de souci. Du coup, l'audience bonsoir. Est ouverte concernant... Bonsoir, maître. Concernant je... Alors attendez deux petites secondes. Concernant du coup l'affaire qui s'est déroulée ce soir... Non, ce matin plutôt, pardon. Hier soir exactement. C'était hier soir, oui. Oui, enfin en tout cas, lorsque la suite, la nuit entre le 6 et le 7. Du coup, monsieur, pouvez-vous me confirmer votre identité, s'il vous plaît? Je m'appelle Clyde Barrow, monsieur. D'accord, je vous remercie, vous avez l'air d'être très enthousiaste. Ah bah ouais, Clyde Barrow, c'est connu. Bien, du coup, monsieur Barrow, plaidez-vous? Bah que un policier m'a tiré dessus. Tirez avec un pistolet. Non, je vous ai demandé que plaidez-vous. Je n'ai pas dit coupable ou non coupable. Ah bah non coupable, attendez. D'accord. Du coup, précisez-moi juste concernant du coup l'audience. Oui, non, bah du coup, monsieur le procureur, je vous écoute. Alors, vous avez devant vous donc monsieur Clyde Barrow. Alors, pour un rappel des faits, donc dans la nuit de hier soir, donc dans la nuit du 6 avril, vers 23h30, la patrouille Adam 2, composée du sergent-chef Spade et du cadet Warren, reçoivent un appel. Alors, arrivé sur cet appel, quatre individus masqués et armes au poing les attendent. Ils réclament $50,000 pour la libération de l'otage qu'ils ont entre leurs mains. Une fois l'argent donné,
ils le libèrent et s'enfuient. Malheureusement pour eux, ils sont stoppés 300 mètres plus loin à peu près. Et quand la voiture arrive à démarrer, un des ravisseurs qui est actuellement devant vous est laissé sur place. Donc le ravisseur pointe une arme contre le cadet Warren et le cadet Warren réplique immédiatement. Et ensuite, le prévenu est donc pris en charge par les EMS. Et le voici devant vous, votre honneur. D'accord, je vous remercie. Si j'ai bien compris, Monsieur Barreau, vous souhaitez être défendu par Maître... J'ai perdu votre nom, Maître. Désolé. Ross Crane. Maître Crane. Parlez un peu plus fort. Hein. Nous sommes faut que tout le monde parle plus fort, oui. Oui, voilà. Merci, Maître. Eh bien, écoutez, Maître, la parole est à vous. Je vous écoute. Qu'avez-vous à dire contre votre... Enfin, pour votre client, pardon. Merci pour la parole. Je voudrais jouer sur que mon client était au chômage et qu'il s'est fait embaucher par des personnes qui ne connaissent pas les noms du tout et qui lui ont... Je passe mon client pour une victime parce qu'il ne connaît pas ses ravisseurs. Et les armes qui étaient trouvées sur lui, ça ne lui appartient pas du tout. Voilà. D'accord. Y a-t-il un document pour cela, s'il vous plaît? Prouvant que justement votre client a été retenu contre son gré. Je pense que non, il n'y a pas de papier. Est-ce que je peux parler? Oui, vous avez tout à fait le droit à la parole. Incroyable. Alors, excusez-moi de vous contredire, monsieur, mais Bon, après, c'est la parole, c'est ma parole contre. Ah non, c'est pas. Non, mais non, il y a un témoin. Oh, j'ai un témoin. Et c'est un vrai témoin pour le coup. Bon, on pourra l'appeler plus tard, c'est pas grave, pas de soucis. Alors, je vais vous contredire. Quand moi j'ai sorti de la voiture, parce que j'avais très très peur, je n'avais pas d'arme à la main, donc j'ai pas pu braquer le monsieur en question. C'est pas possible. Et de deux, j'ai pris la balle dans le dos. Donc, comment voulez-vous que je le pointe, le monsieur? Témoin UMS, hein. Ils sont témoins, ils ont bien vu où est-ce que j'ai pris la balle. De deux, oui, ils m'ont recruté. Et oui, ils m'ont passé une balle. Ils m'ont passé un flingue. Moi, j'ai besoin d'argent. Alors forcément, fallait que je travaille. Ils m'ont dit, tiens, prends ça, tu l'utilises sans aucun prétexte. C'est juste un moyen de dissuasion et tout se passera bien et t'auras tes 5000. Moi, j'ai fait d'accord, pas de soucis. Voilà, c'est tout. D'accord, et vous savez que qu'avoir une arme est très limité dans notre état. Moi, je me doute bien. Moi, je sais pas, on m'a donné une arme. Moi, j'ai pris. Donc, si je vous dis de vous jeter par-dessus un pont, vous le faites. Bah non, parce que j'ai pas d'argent. Même si je vous en propose pour 100 000 dollars. Bah, ça dépend. C'est non, mais ça va de soi, mais vous me prenez un petit peu pour un débile, là, monsieur le juge, entre nous. Moi, j'ai juste besoin d'argent, hein. On m'a dit, écoute-moi bien, tu peux prendre 5 000 ou plus, tu te prends une arme, et à faire le taré devant la voiture. Moi, j'ai fait d'accord, pas de soucis. J'ai aucun antécédent à la police, hein, vous pouvez vérifier, hein. Ne vous en faites pas, justement, votre casier justement va m'être donné par monsieur le procureur. Je vais leur ouvrir la porte. Les témoins sont arrivés. Major. Bonsoir, Maître Crane, comment allez-vous? Bonsoir, merci, ça va très bien. Bon, bah, venez. Allez, je vous suis. Du coup, ma femme a également été témoin du coup de on va dire, la scène. D'accord. Pour ce qui est de son arme de catégorie B et un cran d'arrêt. Pour qui c'est ce qui choisit monsieur, de l'arme de catégorie C. Désolé, vous coupez, monsieur le procureur. James, c'est votre témoin, honneur, c'est les témoins que j'attendais pour l'affaire avec merci, mon client. Merci. D'accord, pas de souci. Vous pouvez vous remettre à votre place, je vous donnerai la parole à l'occasion. Merci. D'accord, merci. Du coup, monsieur le procureur, excusez-moi, je n'ai pas entendu la fin de ce que vous me disiez. Donc, je disais que j'avais trois témoins
à faire appeler à la barre. Et également, je souhaitais quand même appuyer sur le fait que la personne a été trouvée avec des balles de petit calibre, un pistolet Colt 1911 chargé de 10 balles, ainsi qu'un cran d'arrêt sur elle. D'accord. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, dans ce cas, monsieur le procureur, faites, vous pouvez appeler à la barre votre premier témoin et puis vous passerez du coup les questions que vous souhaitez. Oui, je vais appeler le sergent-chef Spads, s'il vous plaît, à la barre. Oui. Je me mets où, du coup? Sur à droite. Okay. Bonjour, à droite. À ma gauche, pardon. Pas de gauche, à l'autre côté, alors. Pardon, autant pour moi. Oui, non, là où est-ce que vous étiez? Ah bah, faudrait ça. Ah, d'accord. Là, mais, écoutez, là. Ah, mais t'es fou, là. Tenez, ici. Dans le petit box, voilà. Du coup, monsieur le procureur, je vous en prie, vous pouvez commencer. Maître Crane passera par la suite. Alors, sergent-chef Spads, quand vous êtes arrivé donc, sur le lieu de votre appel, vous avez bien... combien de personnes avez-vous vu armées qui vous attendaient? Okay, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Je n'entends pas personnellement. Ils étaient 4. D'accord, ils étaient 4. Combien de personnes en tout y avait-il sur ce braquage? 5. Avec l'otage, bien sûr. D'accord, avec l'otage, d'accord. Oui, oui. Parce qu'en remontant un peu le fil de l'histoire... Vous pouvez m'assurer que la personne qui est à ma gauche faisait bien partie des preneurs d'otages et des braqueurs. Oui, de toute façon, puisqu'il est monté dans la voiture, si vous voulez, c'était pas l'otage. Il est monté dans la voiture à l'enchaînement des trois autres, si vous voulez, et on les a pas perdus de vue du départ de la banque jusqu'à l'accident de voiture, en fait, puisqu'on était la voiture en primo intervenant était à 70 mètres derrière eux quand ils ont eu leur accident, même pas. Donc, est-ce que vous pouvez me donner la distance à laquelle la voiture a eu un accident par rapport au lieu du braquage, à peu près? Oh, ça va être chaud, là. 500 mètres, les 700 mètres, on va dire, à peu près. Est-ce que vous pouvez... 700 mètres, ouais. Vous pourrez qualifier cette distance de courte par rapport aux autres braquages différents, on va dire. Ah, ils ont pas été loin, oui, ça c'est sûr, oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien vu au moins les gens sortent des braqueurs sortir de la voiture, oui. Peut-être. Oui, sûr. D'accord. Et vous pouvez confirmer qu'ils en ont bien laissé un sur place. Enfin voilà, voilà, c'est sûr, parce que les braqueurs, les autres, sont repartis en fait. La voiture a eu un accident. Certains des braqueurs sont restés dans la voiture et lui il est resté sur place, oui, effectivement. D'accord. En fait, il est sorti de la voiture et il est parti en courant. Mon collègue est parti, moi je suis resté en fait, si vous voulez, au niveau de la voiture qui a été accidentée pour gérer les premiers. Qu'est-ce qu'il y a, le monsieur? Demandez-lui s'il m'a armé quand je suis dans la voiture. Pour gérer les premiers, pour gérer. Oui, y a pas de problème. Les occupants de la voiture. Et mon collègue est parti, justement derrière lui là, derrière le monsieur Barreau qui partait en courant justement. Très bien, ça sera tout pour moi, votre honneur. Merci. D'accord, je vous remercie, maître. Avez-vous des questions à poser? Au témoin. Au chargeur en chef. Oui. Monsieur sergent chef, je pense. Je voudrais vous poser une question. Est-ce Allez-y. Que quand mon client est resté sur place, quand il est sorti de la voiture, est-ce que vous l'avez vu armé? Alors, et votre client n'est pas resté sur place. Il est parti immédiatement. Il est parti immédiatement au courant. Au courant. Est-ce que vous l'avez vu armé? Alors moi, de mon côté, non, puisque en fait, comme j'ai dit, j'ai expliqué au procureur, moi, je me suis occupé de la voiture. Donc en fait, j'ai juste vu partir en courant. J'ai dit à mon collègue, je gère la voiture, occupe-toi de monsieur, enfin, occupe-toi de celui qui court. Donc moi, après, j'étais focalisé sur la voiture. Donc en fait, j'étais tourné de trois quarts par rapport à lui, donc je l'avais plus en visuel, si vous voulez. Est-ce que votre collègue l'a vu armé ou pas du tout? Ah bah après, ça sera à lui de vous répondre. Moi, de mon point de vue, moi, je peux pas vous le dire puisque je ne le voyais pas, la personne. Après, c'est mon collègue qui vous répondra sur ça. Merci. Plus de questions, monsieur juge. Moi, j'en ai une. Moi, j'en ai une. Merci, monsieur.
Je pose une question. Vous souhaitez être défendu par un avocat ou pas Bah si, mais moi j'ai des idées qui me viennent. Bien, allez-y. Comment voulez-vous que j'ai braqué un policier avec une arme si je courais? C'est tout pour moi. Ah, oh, ça va être chaud cette affaire là. Sergent, chef, pardon. C'était une question là. Ah, oui, c'était une. Je pensais que c'était une affirmation. Ah non, c'est une question. Après, moi, ça va être, ça c'est mon ressenti personnel puisque moi, encore une fois, je ne l'ai pas vu. D'accord. Donc je vais pas non plus inventer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, c'est tout à fait possible d'avoir commencé à courir et au moment où mon collègue vous court après, de vous retourner et de dégainer une arme. C'est tout à fait possible aussi. Mais j'ai pris une balle dans le dos, monsieur. Ça, j'en sais rien après. Moi, vous me posez une question sur un truc. Donc voilà, c'est tout à fait possible de sortir une arme en courant. Ah oui, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Voilà. Madouzi, mais j'ai pris une balle dans le dos, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que nous avons compris. Madouzi. Je vous remercie, sergent Cher. Je peux retourner à ma place? Oui. Ok. Du coup, monsieur Baker, avez-vous d'autres témoins? Je pense que vous m'avez dit oui. En avoir trois, donc tout à fait. Coup, il ne reste plus que deux. Oui, j'appelle le cadet Warren Davis à la barre, s'il vous plaît. Le cadet Davis. Oh. Du coup, monsieur le procureur, je vous laisse passer à vos questions. Alors, monsieur Warren Davis, pouvez-vous nous dire à quel moment, enfin, dans quelle position était le monsieur Barrow Clyde au moment où vous avez tiré, s'il vous plaît? Au moment où je tire, la personne se retournait dos à moi à ce moment-là. Dos à lui? C'est-à-dire qu'il ne s'est pas retourné. Alors, c'est la seule question que j'avais à vous poser. D'accord, maître Crane, c'est à vous. Oui, monsieur Cadet, je crois, c'est ça, je ne sais plus votre nom. Ça. Mon client, c'est vous qui lui ai couru après, alors, si je comprends ça. Bien. Du coup, mon client, quand il a couru, il était dos à vous? Oui, quand une personne court devant moi, oui, il est dos à moi. Oui, du coup, est-ce que je reviens à la question de tout à l'heure. Mon client était-il armé quand oui. Vous l'avez tiré dessus? La personne était armée quand je lui ai tiré dessus. D'accord, merci. J'ai plus de questions, monsieur le juge. Je vous remercie. Du coup, il n'était pas armé. Du coup, vous pouvez disposer. Il était pas armé. Du coup, vous pouvez appeler votre troisième témoin, monsieur le procureur. Oui. J'appelle à la barre monsieur Drake Alex, s'il vous plaît. Alors, monsieur Drake Alex, pouvez-vous nous dire en quelle qualité vous présentez-vous à la barre de cette audience, s'il vous plaît? En qualité de victime. Très bien. Qui Alex? Si je comprends bien, vous étiez l'otage, hein, on est bien d'accord? Exactement. Est-ce que vous pouvez m'affirmer que vous avez été frappé lors de cette prise d'otage? Oui, effectivement. Alors après, c'était pas par un monsieur, c'était par une femme. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez des factures? Vous avez été soigné? Oui, j'ai été pris en charge du coup par les EMS dans la suite. Combien de temps a duré la prise d'otage, selon vous? Je dirais que ça me paraissait un petit peu long, mais une demi-heure. C'est les seules questions que j'avais à vous poser. D'accord, je vous remercie. Maître, c'est à vous. Pas de questions, votre honneur. D'accord, je vous remercie. Monsieur Drake, vous pouvez disposer. Du coup, si c'est pas lui... Du coup, Maître Crane, pardon. Oui. Vous aviez donc un témoin. Deux témoins qui sont assis au fond de la salle. D'accord. Bien, écoutez, je vous laisse les appeler dans l'ordre qui vous convient à la part. Je connais pas leur nom, mais je vais appeler le monsieur. James. Pardon? James.
Bah, venez à la barre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je dois me mettre ici ? Non, à ma gauche. Dans le box. Et je vous laisse également aussi donner du coup votre identité complète, s'il vous plaît. Bien sûr. Du coup, donc James Woods, travaillant du coup au LS Motors, je vais du coup un petit peu expliquer les faits donc, de mon témoignage oculaire et donc de ce que j'ai entendu. Donc comment ça s'est déroulé? Hier soir, donc j'ai pris ma petite fin de service donc au LS Motors sur les coups des 23h. Je suis donc allé boire un verre au N House et donc j'ai commencé, on va dire, à partir de ce moment-là pour rejoindre donc ma deuxième entreprise entre guillemets, la GNG Picture, bah, pour prendre tout simplement du bon temps et peut-être me reposer. Il était donc aux alentours des minuit, si mes souvenirs sont bons. Et donc à ce moment-là, de ma curiosité, je passe donc devant presque le Life Invader, pas le Wizard News, mais le Life Invader, le bâtiment lui-même. Et donc de par ma curiosité, je me suis arrêté donc avec ma femme pour regarder ce qu'il s'était passé. Et donc je voyais donc le SPD en face de beaucoup de voitures. Et donc du coup, on a entendu des coups de feu dont mon ami du coup, Monsieur Barreau, dont je ne savais pas qu'il était là. Se faire retirer dessus, du coup, je ne sais pas par contre par quel agent, je ne vais pas vous mentir que je ne l'ai pas vu, parce que je n'ai pas des hyper yeux, mais du coup, j'ai vu effectivement donc, un agent tirer sur Monsieur Barreau alors qu'il était de dos. Ma femme peut complètement confirmer du fait que Monsieur Barreau n'était pas, on va dire, en face de l'individu, l'agent... Warren, si je ne m'abuse. Donc c'est, je peux confirmer les dires de l'avocat sur ce sujet. Je ne peux pas cependant, on va dire, compter le nombre de personnes qu'il y avait. Il y avait beaucoup d'individus. La seule chose que j'ai vue, c'est entre deux grands buissons, deux agents du SPD lui courir après. Et donc, de par l'autopsie qui a été donnée d'ailleurs par le patron du SDH, une balle a été sortie du coup du dos de l'individu qui aurait apparemment touché pas le foie, mais à côté. Voilà. D'accord, je vous remercie. Écoutez, oui. Vous attendrez votre tour. Monsieur le procureur, c'est à vous. Oui, monsieur James Wood, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir exactement combien de verres vous aviez bu hier soir avant deux. À quelle distance vous teniez-vous quand vous avez vu la scène, à peu près? Je dirais un bon 60 mètres, effectivement. Un bon 60 mètres. Et combien de coups de feu avez-vous entendu tirer? Deux. Ça sera tout, votre honneur, merci. Bien, maître, c'est à vous. Oui. Du coup, vous affirmez que mon client était bien à dos de l'agent qui lui a tiré dessus. De ce que j'ai vu, effectivement, par la suite d'ailleurs, j'ai pris la fuite parce qu'il y avait une moto qui commençait à nous courser, donc on s'est dit qu'on ne voulait pas être en danger avec ma femme. Mais effectivement, donc on a vu, de mon point de vue, à moi et donc de celle de ma femme, on a vu donc du coup un agent du Lespidi, je ne sais pas lequel parmi cette salle, qui aurait donc tiré sur l'individu Monsieur Barreau. Du coup, vous affirmez que quand il lui a tiré dessus, il n'était pas armé. Ça, je ne peux pas le confirmer par contre. J'ai seulement, on va dire, entendu les personnes du coup prendre la fuite, effectivement, entendre le coup de feu. Mais à cette distance, au vu du nombre de verres que j'ai bu justement, je ne pouvais pas voir s'ils étaient armés. D'accord, merci. Plus de questions, votre honneur. J'aurais une dernière question, en fait, si c'est possible, votre honneur. Il aurait été préférable de la poser avant, monsieur Procureur. Oui, j'entends bien. Allez, vas-y, pose. Dans ce cas, allez-y. Monsieur Wood, vous venez de dire que vous avez vu votre ami se faire tirer dessus, mais c'est un peu compliqué dans le sens où la personne était masquée.
Effectivement, dans le sens où j'ai été prévenu le soir même qu'un individu donc a été touché donc à la au dos et enfin du moins j'ai été prévenu pas hier soir mais oui. Plus on va dire ce matin. Du coup, vu que j'allais au LSH pour me faire soigner et effectivement donc voilà, je suis venu le voir. En fait, il y a des bruits qui couraient comme quoi un individu s'était fait toucher hier soir une balle dans le dos de par le LSPD. Les bruits ont couru. Je ne sais pas par quel moyen. C'est pas évident cette affaire, mais j'assure. Ça s'est produit. Pour le moment. Mais voilà, donc du coup, bah, de fil en aiguille, sachant que voilà, on n'est pas non plus, même si c'est notre ami, une garderie, donc on ne sait pas que font nos amis. Hein. Donc on a été prévenu de par ça, et puis on est venu donc ce soir principalement voir notre ami, voir dans quel état il était. Très bien, merci. C'était la dernière question, votre honneur. Vous avez dit quoi, monsieur le procureur, pardon ? C'était la dernière question. Voilà, merci. D'accord. Oui, question, allez-y. Alors, est-ce que vous avez vu, bon, la personne masquée, c'était moi, est-ce que vous l'avez vu se retourner sur la route principale ? Oh là là. Putain, mais... Quand je courais sur le trottoir, est-ce que vous avez vu me retourner ne serait-ce qu'une fois, hein ? Non, je vous ai juste vu courir à fond et puis après je n'ai pas, on va dire, vu plus. Dans le sens où, justement, comme je disais il y a 30 secondes, une moto est venue, on va dire, nous pourchasser. Je ne sais pour quelle raison. Ça va de soi, parce qu'en plus, les policiers qui m'ont arrêté pourront confirmer que là on n'était pas sur moi mais bien dans mon sac. Donc c'est impossible que je puisse l'avoir dans la main et braquer le monsieur en question. Ça je sais pas, j'ai juste entendu un tir retentir et... Ça va de soi, ça va de soi. Et dès par la suite, bah, je. C'est compliqué je de braquer avec un doigt, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là, attends, il essaye de se. Ce sera bon pour vous, monsieur Barreau ? Moi, c'est bon. Bien, je vous remercie. Monsieur Wood, vous pouvez disposer. Bien. Et du coup, maître Crane, je vous laisse appeler votre second témoin à la barre. Bah, j'appelle la compagne du témoin. Qui vient de sortir. Juliana Tarissa. Je vous remercie. Vous pourriez le confirmer à la barre, s'il vous plaît. Je me prénomme donc Juliana Tarissa. Je tiens juste à dire comme quoi je confirme donc les dires de mon compagnon, donc James Wood, auquel je me trouvais donc avec lui dans le véhicule, et auquel moi je n'ai point bu de verre d'alcool. Je tiens à préciser, qui veut dire que j'ai pu voir quand même certaines choses auxquelles effectivement, moi je l'appelle Clyde, désolé, monsieur Clyde était bien effectivement de dos aux policiers, donc le tir a été fait au moment qu'il courait, quoi, tout simplement. Bon, ça, je vous... D'accord. Et auquel il me semble qu'il était point armé. D'accord, je vous remercie, monsieur le procureur, c'est à vous. Alors, madame Tarissa, bonsoir. Vous venez de dire, il me semble qu'il n'était pas armé. Donc, déjà, vous ne pouvez pas confirmer qu'il avait une arme ou pas dans la main. Ben, on va dire que non, pas vraiment, mais comment dire, on peut quand même, je peux quand même confirmer qu'il ne s'est point retourné ou autre de ce qui a pu être dit de vos témoins. Ok, il était bien de dos, donc en train de courir, donc votre témoin n'était point en légitime défense, donc il n'avait point à tirer, quoi. Je vous rappelle tout de même que vous êtes sous le serment. Oui, oui. Bien. Donc vous me confirmez que vous n'aviez pas bu d'alcool oui, pour votre part, hein. D'accord. Oui. Vous pouvez me confirmer la distance à peu près à laquelle vous étiez ? Vous étiez à côté donc, de Monsieur James. Bah oui, donc si j'étais à côté de Monsieur James, Monsieur Woods, qui est bien sûr mon compagnon, j'étais aussi à 60 mètres. Et combien de coups de feu avez-vous entendu tirer, du coup ? Deux. Et vous aviez une vision bien dégagée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arbres, pas de, il n'y avait rien entre vous et la scène que vous avez pu voir. Non. Et c'est terminé votre honneur pour ma part. Je vous remercie. Essayez de rappeler Alex. Maître, c'est à vous, sauf si Monsieur Barreau souhaite prendre la parole comme lors de l'interrogation des témoins. Non, pas de questions, votre honneur. D'accord, je vous remercie. Madame Tarissa, c'est bien ça ? Oui. J'ai une question. Oh, putain. Ah, pas pour toi, pas pour toi, pas
Du coup, dites-moi. Est-ce qu'on peut rappeler un témoin à la barre qui est présent dans cette salle? C'est la victime. Est-ce qu'on peut le rappeler à la barre, s'il vous plaît? Oh, pour une question, une simple question. Donc vous avez un troisième témoin, donc oui. Bah, s'il veut bien. Est-ce que tu veux bien, mon petit Alex? Bah, je rappelle Alex à la barre, s'il vous plaît. Pardon. J'écoute. Alors, une question. Moi, personnellement, je ne voulais faire de mal à personne. Que ce soit au policier ou à l'otage. Putain, c'est toujours moi, je n'ai jamais braqué une qui que ce soit avec mon arme. Objection, votre honneur, ceci n'est pas une question. Non, c'est une affirmation. Mais ma question vient, vous inquiétez pas. Venez-en au fait, monsieur Barreau. Rapidement, Alex, s'il vous plaît. Alex, est-ce que j'ai été, ne serait-ce qu'une fois, agressif à ton égard? Envers moi, non. Alors après, je savais pas qui était parmi mes agresseurs parce qu'ils étaient tous masqués. Mais d'après ce que vous disiez, du coup, vous étiez devant. Donc, non, j'ai jamais eu de relation, on va dire, avec vous. Quand je venais te parler, que j'étais assis à côté de toi, est-ce que j'ai été méchant? Non. Il parle. Je devais me faire un peu à boire, non? Objection, votre honneur, il tente d'influencer le témoin. Retenu. Pas de soucis. Avez-vous d'autres questions et des vraies questions? Non, c'est bon, il a répondu de son plein gré, je n'ai rien fait. Je vous remercie. Du coup, vous pouvez disposer, monsieur Drake. Très bien, merci. Allô. Du coup, monsieur le procureur, sauf si l'une des deux parties dispose d'un autre témoin ou d'éléments qui pourraient s'ajouter à l'affaire? Non, pas pour ma part. Et non, de ma part non plus. D'accord. Monsieur le procureur, je vous laisse faire donc votre réquisitoire, s'il vous plaît. Eh bien, vu au fait de ce qui est reproché à mon client, je vous demande de retenir les choses suivantes. Donc la première est l'article L109, hein, « Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui s'y ment, apparaît, aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation ». Ensuite, je vous demanderai de retenir le L215, retenir quelqu'un contre sa volonté avec la menace d'une arme. Le L216, retenir quelqu'un contre sa volonté ayant entraîné des blessures. Le L402-1, refus d'obtempérer. Le L414, dissimulation du visage. Le L424-3, détention, port, usage, transport ou vente ou cession d'armes de munitions de catégorie A ou B. L310, extorsion. Vu que la police quand même a été obligée de donner 50 000 $, le L205, violence commise à main nue. Donc ce qui fait un total au maximum normalement de 230 000 $ et 62 heures d'emprisonnement, et je réclame 62. Pour monsieur Barreau 100 000 $ d'amende et 25 heures d'emprisonnement. Vous avez dit, pardon, pour le total? Oui, concernant les peines. Alors, pour les peines, pour le total, je demande 100 000 $ d'amende et 25 heures d'emprisonnement. 24 heures d'emprisonnement. D'accord, je vous remercie. Maître, vous pouvez prendre place pour votre plaidoirie. Oui, moi, je voudrais que, votre honneur, que mon client était une victime et que c'est les gens qui l'ont embauché, ils ne le connaissaient pas du tout. Qu'il était au chômage et qu'il avait besoin d'argent. Et du coup, je déclare à mon client un non-coupable. D'accord, ce sera tout? Oui. Je vous remercie. L'audience est suspendue, je vais délibérer. Je reviens. James, s'il vous plaît. Venez. Putain, c'est incroyable quand même, me fait tirer dessus. J'ai même pas armé, je vais prendre 100 000 $. C'est bien là, je dis, c'est bien. Vous pouvez parler moins fort, s'il vous plaît, merci. Ah pardon, m'entendez, pardon. C'est assez original quand même. Oh, c'est pas une adjudicité comme ça, jusqu'à mentir en plus devant un tribunal. Oh là là. J'étais
sais même pas, hein, mais c'est incroyable. Putain, dans le rapport, ils ont bien vu que j'étais, que l'arme a été prise dans mon sac. Donc dans la logique, c'est impossible que j'ai pu tirer dessus. Pouah, ça va être chaud. J'ai peur qu'il soit. Donc j'ai porté plainte, demandé des dommagements. C'est plus simple. Ah ouais, il va faire ça. Je désire porter plainte et demander des dommagements pour mensonge à la justice. Parce qu'on peut demander au rapport qui a été fait, l'arme qui a été prise dans mon sac. Et pas sur moi. Donc c'est impossible que j'ai pu tirer. Donc il y a bien un mensonge des agents de police. Et je demande des dommagements. Au cas où, j'ai quand même essayé. Bah, je vais voir. Si, vraiment, j'espère que vous serez, que vous, il sera. Non, vous portez juste plainte, monsieur. Oui, oui, mais si j'ai joué sur le faveur que vous êtes une victime et que vous connaissez pas les gens qui vous ont embauché et que vous avez besoin d'argent parce que vous étiez au chômage. Du coup, si au cas où si vous êtes condamné, je vous conseillerais de faire appel si ça vous dit. Ah ouais, je vais faire appel, mais faut appel. D'accord, mais bon, on attend le jugement et je redemanderai que s'il faut qu'on fasse appel et que je demanderai que vous serez que vous soyez libéré sous avec un bracelet électronique en attendant. Mais non, mais ça me va, nickel. Ah, ça va être chaud. Hein. Ah, ça va être chaud. S'il faut, je ferai appel. Et je demande que mon client sorte sous un bracelet électronique et que on l'enquête un peu plus sur ce qui s'est passé. J'ai apprivoisé, j'ai énormément fait le nécessaire. Hein. J'ai vraiment apprivoisé tout ce que j'ai dit hein, parce que c'est pas évident. Quand je vois en vrai que les avocats y galèrent énormément en vrai. Hein. Heureusement, c'est qu'un jeu, hein, mais c'est très très compliqué. Pour cette affaire, s'il faut, je ferai appel, mais c'est vrai que c'est pas évident du tout. Eh bien, level pour Eda 69, level 22, bien joué, à toi. Oh là là, c'est chaud. Paris Saint-Germain, ils ont fait 3-2. Kylian Mbappé, 2 et Marquinhos. Et de leur côté, c'est Choup, Monti et Müller qui a marqué pour le Paris Saint-Germain, pour le Bayern. Du coup, le match retour, il faut qu'il marque 3 buts, voire 4, pour éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions. Que je peux boire ou pas, parce que
c'est un jus de carotte. Ouais, c'est beau, c'est parfait. Faudrait que j'en rachète. Bon, bah voilà, on va attendre. Oh putain. Je vais appeler monsieur. Ouais, bel ami. Ouais. Alors. Bon, j'ai le juge délibère. J'ai joué sûr que mon client était victime, mais ça sent pas très bon pour lui. Hein. Ouais, bah après, on peut pas faire non plus des miracles. Hein. On n'est pas Dieu donné. Hein. Est-ce que je pense s'il risque d'être condamné, je pense peut-être faire appel. Et qui puisse. Ah non, si c'est le juge qui choisit, tu peux pas faire appel là. D'accord, ok. Bah, du coup, bah, je vais attendre. Hein. Mais okay. Ça va être très compliqué, je pense. J'aurais fait tout ce que je peux. Hein. Ouais, bah, de toute façon. Mais en tout cas, voilà, je te rappelle pour le délibérer. Ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est long quand même. Hein. Ah, c'est... Pas bon pour lui. Hein. Il met énormément de temps à faire ça. À délibérer, je pense que c'est mort. Ça va être très compliqué. Ça me stresse d'attendre comme ça, là. Il est trop carré, ce fond d'écran, la vie de ma mère. Bien, messieurs, dames, l'audience reprend. Je me fais piétiner. Du coup, après délibération, monsieur Barreau, ici présent, vous êtes, du coup, déclaré... coupable pour les faits suivants. L'article L415, dissimulation de visage sur la voie publique. L424-3 pour le port d'armes. L215 pour la privation de liberté. Le L402-1 pour le refus d'obtempérer. Et c'est déjà pas mal. Cependant, nous n'allons pas garder les demandes maximales qui sont inscrites sur les textes de loi.
Vous êtes donc amendé à hauteur de 39 000 dollars pour l'ensemble de ces faits. Et vous encourez donc, après je ne sais pas, monsieur le procureur, est-ce que vous avez eu le temps de voir aussi pour les travaux d'intérêt généraux ? Je ne vous entends pas. Non, non, pas du tout. Non, dans ce cas, vous ne ferez pas de travaux d'intérêt généraux. Oh putain, il va faire de la peine. Cette somme est demandée donc ces 39 000 dollars sont demandés au bureau du procureur dans un délai de 2 semaines. Est-ce que cela vous va ? Bah ouais, bah en je deux vois. Semaines, normalement, c'est censé être bon. Vous avez donc jusqu'au 21 avril pour payer cette somme au bureau du procureur. Si jamais, bien évidemment, cela n'est pas fait, le bureau du procureur me fera un dossier et vous repasserez en jugement cette fois-ci. Je pense qu'il est vite. Du coup, voilà, l'audience est levée. Monsieur le juge ? Le bureau du procureur fera appel de votre décision. Ah ouais ! Bien écoutez, pas de souci, vous me ferez donc. Oui. Qu'est-ce qu'il en est par rapport au prévenu ? Est-ce qu'on lui met un bracelet en attendant ? Votre honneur ? Te laisse pas faire, Curtis. Étant donné que l'amende n'a pas été payée, oui. Très bien. Tout simplement. Je vous remercie, votre honneur. Je vous en. Votre honneur ? Votre honneur ? Oui. Ah, messieurs, vous pouvez. Du coup, je vois que le procureur a fait appel. J'aurais voulu faire appel aussi et que mon client soit libéré avec un bracelet électronique. Du coup, ça a été décidé comme ça, c'est parfait. Pas de soucis. Merci. Mais je vous en prie. Bah, tu sais, hein. Au moins, ils ont pas retenu les faits que vous avez démenti quand même. C'est quand même dommage de mentir face à la justice. Bonne soirée. C'est sûr que c'est dommage de mentir, oui. On est bien d'accord. Je confirme. Oui, je confirme. Bah, surtout que le souci, c'est qu'il y a un rapport qui montre bien que l'alarme était dans mon sac. Donc c'est dommage, je peux plus l'avoir dans les mains. Mais bon, ça prouve bien les compétences de certains. Après, je dis pas qu'ils sont pas tous compétents, il y en a des très bons. Monsieur Crête, il est très très bon. Moi, je vous aime bien. Je peux vous Monsieur parler en privé ? Qui, moi ? Oui, vous, oui. Ouais. Allez, venez. Attends. Ah, ok. Attendez, faut que la police vienne, hein. Mais il peut venir, Monsieur Crête, il est gentil. Oui. Bon, bah, je pense que je vous ai évité de faire de la prison. Je suis assez content de moi. Bah, c'est bien, merci, monsieur. De rien, mais en tout cas, je sais bien que monsieur, le procureur a fait appel et que vous sortez avec un bracelet électronique, c'est parfait. C'est ce que j'allais demander au cas où s'il ne faisait pas appel, mais c'est parfait. En tout cas, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Hein. Pas de soucis, je vous appellerai. Vous avez un numéro, mais j'ai plus de téléphone, mais il va me le rendre. Allez. Je prends vraiment mon téléphone ou pas du coup, monsieur, si vous l'avez. Je vous le rends. Ça marche, parce que je voulais voir le numéro. Et qu'on demande du coup à ce que Stan puisse se vendre également. On a nous deux qui vendons des barbes de fer. Ouais, on reprendra tout à l'heure. Du coup, il est Mitch Payne. Merci d'avoir témoigné devant ces menteurs. Oui, il n'y a pas de souci, mais en fait, juste ce qui me fait chier, c'est que du coup, le monsieur Barreau aurait pu mourir. Du coup, et ça, ça n'a pas été retenu. Merci. Pour le juge. Oui, mais en tout cas, j'ai pu éviter qu'il fasse de la prison, surtout, parce que les peines qui étaient demandées étaient très très compliquées. Oui, juste les 100 000 et 24 heures, ouais. Du coup, sur 120 000, il a eu que 39 000. Hein, Du coup, je suis assez content de moi, merci en tout cas d'être venu. Bah, merci à vous. Votre témoignage est compté énormément pour cette affaire. Mais en tout cas, je suis assez content. Si le procureur n'aurait pas fait appel, j'aurais pu faire appel de la condamnation et que votre ami soit sous bracelet électronique. Du coup, bah, là, bien il est. Bien évidemment. Ouais. Du coup, c'est parfait. Il est sur bracelet électronique, c'est parfait en tout cas. Voilà. Ok. Mais bah, écoutez, si vous avez besoin, enregistrez mon numéro.
Oui, c'est déjà fait, vous inquiétez pas. Du coup, voilà, en tout cas, bah, merci à vous, Merci à vous surtout, et je pense qu'il mérite d'avoir des amis comme vous. Ouais, ouais. Bah, en fait, vraiment, on ne savait pas ce qui s'était passé, et on nous a tenu au courant hier soir qu'il était au lézage. On avait dû se reposer, et là, du coup, bah, on est revenu le voir aujourd'hui, voir un petit peu comment il allait. Et bon, quand on a appris qu'il avait reçu une balle entre les deux poumons... À l'endroit où on se trouvait, là, on a oui, fait, voilà. fait le chemin du truc, quoi. Ouais, je comprends. Et en tout cas, j'imagine qu'en ville, il n'y a pas 3 personnes ou 4 personnes qui se sont fait tirer dessus entre les deux poumons, quoi. Non, je pense pas. Mais en tout cas, j'ai joué quand même que votre ami était victime quand même, parce qu'il est au il était au chômage, et que les armes qu'il était trouvées dans son sac lui appartenaient pas du tout. Du coup, voilà. En tout cas, je suis assez content de moi, et en tout cas, merci à vous, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Bon, on va aller le chercher. Ouais, on va y aller, oui. On va y aller. Oui, allez-y. Même au courage, monsieur Crane, bonne passez une bonne soirée. Merci, à vous aussi. Ouais, Ross. Ouais, bel ami. Ouais. Bon, bah, bonne nouvelle. Dis-moi. Bon, bah, il est pas condamné de 20... Le procureur avait demandé 24 heures de prison. Et du coup, bah, en fait, le juge a délibéré. Et du coup, bah, au lieu de payer plus de 20 000 d'amende, il paye moins. Et... Ouais. Le procureur a fait appel parce qu'il n'était pas content de la décision qui a été prise au juge. Et du coup, je lui ai évité de faire de la prison. Je suis assez content de moi. Du coup, ouais, bah, voilà. Ça va. Bon, comment ça s'appelle, mon canevas était bon, du coup. Ouais, c'est j'ai vraiment appuyé sur ça et ça a joué vraiment à sa faveur. En plus, il y a des témoins qui m'ont appelé pour dire qu'ils voulaient être entendus. Ouais, ses amis à lui qui voulaient être entendus pour expliquer la situation. Et du coup, voilà, je suis assez content de moi, en tout cas. Ok, ça marche. Bah, je pense que là, d'être juriste, et je pense que je vais bientôt passer avocat, officiellement. Ouais, normalement, oui. Bon, ça va, mes conseils sont bons, donc du coup, ça c'est pas mal. Bah, j'ai apprivoisé, hein. J'ai fait comme j'ai pu. Et ouais, si ouais, vraiment ouais, le juge aurait pris la peine que le procureur a demandé, j'aurais pu faire appel, hein, parce que le procureur lui-même a fait appel. Du coup, voilà. Il a 2 semaines en tout cas pour rassembler la somme qui a été demandée. Ouais, ça va. Et du coup, voilà, je vais demander la suite du rapport qui a été dit. Et voilà, en tout cas, bien, parfait. Mission accomplie, en tout nickel. Cas. Ouais, bah GG, hein. Enfin, comme on dit. Hein. Ouais, merci beaucoup. Surtout de tes conseils, parce que je pense que sans tes conseils, j'aurais pas pu sortir le gars de la merde où il était, quand même. Ouais, je vois, ouais. Et voilà, je pense que là, s'il y a des affaires vraiment qui sont... vraiment, je pense que je suis capable de les prendre, même si tu me donnes ouais, des conseils derrière. Ouais, voilà, après, ça a besoin de conseils. Hein, ouais, mais c'est pour ça que... Là, de toute façon, là, tu vas devoir être tout seul pendant une semaine, je suis en vacances, là, donc... Ouais, bah, j'essayerai de faire au maximum ce que je peux, en tout cas. Mais en tout cas, une mission accomplie pour moi. Ça marche. Du coup, quand on est avocat commis d'office, c'est ce qui me semble, c'est le procureur, c'est le gouvernement qui me paye. De toute façon, t'es toujours au Doge, toi. Ouais, je pense qu'il faudrait que je... Prends ton service au Doge à chaque fois que t'arrives en ville, et puis voilà. Ouais, de toute façon, là, je suis en service depuis plus d'une heure, déjà. Même ouais, ouais, peu non, plus mais tu fais heure. Ça, tu prends ton service à chaque fois que t'arrives en ville, quoi. Ouais, ça marche. Mais en tout cas, voilà. Bon, ouais, j'espère être... En tout cas, là, je pourrais... Sur cette affaire-là, je peux être quand même avocat, hein, ça serait bien. Oui, oui, bah de toute façon, là, t'es commis d'office, hein, parce que, bon, commis d'office, voilà, après, tu fais un peu à ta sauce, quoi. C'est ça, en tout cas... Voilà, ça marche. J'essaierai d'apprivoiser, de suivre tes conseils à la lettre à chaque fois, et surtout de trouver
de tout faire pour, vu que t'es pas là pendant 2 semaines, de faire mon maximum pour éviter des condamnations comme j'ai pu éviter ce soir. Après tu peux pas tout éviter non plus, hein, t'sais, voilà, au bout d'un moment il y a des trucs que tu pourras pas faire, hein, faut être réaliste, hein. Ah oui. Ouais, non, mais si tu peux faire des réductions de peine, c'est déjà pas mal. Ah oui, mais ça là je suis assez content en tout cas. Ouais, bah écoute, je te laisse, moi, du coup. Ouais, ça marche, bel ami. Allez, bonne soirée. Toi aussi. Allô. Bonsoir, Herba. Allô. Ouais, Otto, c'est Ross. Oui. Bon, j'ai réussi une mission. Ah, ça a raccroché. Allô. Oui. Ouais, ça a coupé. Ah. Oh. Tu as un problème avec ton téléphone ? Non, bah écoute, j'allais te poser la même question. Ouais, non, moi j'ai pas de problème, ça fait 2 fois que ça coupe. Du coup, affaire conclue, j'ai pu éviter à mon client de 24 heures de prison. Ah bah nickel. Ah oui, je suis assez content. J'ai pu faire comme j'ai pu, j'ai suivi un peu les conseils de Maître Bellamy, qui m'a donné des bons conseils, et ça joue à sa faveur, il a pu... éviter de faire de la prison, d'éviter de sortir, d'éviter de payer une grosse amende. Du coup, ça a baissé et il est sorti sous bracelet électronique. Au monsieur là-bas, les clés, Hubert. Ça coûte 100$, allez. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu faire non, comme j'ai pu. Non, ça a vécu l'entreprise maintenant. Attends, excuse-moi, je te rappelle. Ouais, ça marche, pas de problème. Ok, bah vous prévenez-moi alors quand vous serez là. Ça va ? Bonne soirée ? Oui. Alors là, je vous expliquerai après. Oui, maître, dites-nous. Maître ? Ah si, nomination. Bonsoir. Bonsoir, on peut vous aider ou vous êtes là juste pour... Nous comme ça ? Non, oui, je suis parmi nous comme ça. Pas de soucis. Ouais, monsieur Baker, monsieur, bah vous pouvez tous venir. Pas de soucis, comme ça je vous explique ce qui s'est passé par téléphone. Hein. Ah oui. Parti. Père de dos. Écoutez, je vous explique mon avis et vous me dites ce que vous en pensez. Ben, du coup, le secrétaire m'a contacté parce qu'il avait besoin de noms. Selon lui, il a insisté sur le terme en disant « je suis pas un employé de jardin, donc j'ai quand même besoin des noms, etc. Mm-hmm. » Je lui ai fait comprendre qu'on pouvait pas. Donc pour lui, ce qu'il souhaite, je vous explique brièvement. Hier, il y avait quelqu'un pendant une mise à disposition qui m'a informé, apparemment, il plantait de la weed au sein de son établissement, de son entreprise. Donc moi, tout automatiquement, vous doutez bien, je peux pas laisser quelqu'un repartir s'il plante de la weed chez lui ou dans l'entreprise. Je lui ai demandé les documents. Putain, il a dit qu'il n'en avait pas, enfin si qu'il en avait, mais qu'apparemment ils sont pas là, etc. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, normalement sur l'intranet, on a reçu le document. Oui. Alors là, je vous coupe parce que ça fait 2 fois que je vais au gouvernement justement pour demander des comptes. De comment c'est possible qu'il y ait autant un manque de communication. C'est pour ça qu'il force un peu aussi, c'est parce que je suis allé secouer un peu le gouverneur parce que on avait rien, quoi. Ouais, mais voilà. C'est pour ça qu'il l'envoie aujourd'hui. Bien sûr, bah, du coup c'est ce qu'il m'a indiqué, donc voilà, ça c'est pour vous expliquer l'histoire. Et donc aujourd'hui il m'appelait parce que apparemment il est en contact avec le bureau des enquêteurs au sein du LSPD
et qu'il était avec le lieutenant, qu'apparemment il avait besoin de nom parce qu'il avait besoin d'avoir des accès, j'en sais quoi, sur des dossiers. Je pense qu'il a carrément besoin des accès au casier judiciaire. Et ça, je pense pas que c'est faisable aux yeux de la Constitution. On donne pas à un secrétaire d'État l'accès au casier judiciaire. Oui, hein. Comme le terme indique, judiciaire. Donc ça, c'est, voilà. Et séparation des pouvoirs, et il en a voilà, pas de question. Et du coup, il m'a demandé le nom. Je lui ai dit que moi, je donne pas de nom, quoi qu'il arrive. Et que quoi qu'il arrive, bah, il peut venir vous voir. Peut-être que vous allez donner. Voilà, comme vous êtes là un peu plus. Alors, le truc, c'est qu'effectivement, il y a eu une nomination, mais aujourd'hui, à 21h20. Hein. Laurence Buffette. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais, ouais. Mais je pense qu'il comprend je pas sais trop même son pas, rôle. Je sais même pas à quoi il sert en fait. Quoi. Il sert, mais je pense qu'il pense qu'il est responsable de. Parce qu'il m'a dit oui, je suis responsable, mais je sais pas s'il part de la justice ou quoi. Et je pense qu'il est plus référent auprès du gouvernement et auprès de la justice que responsable de la justice. Enfin, c'est l'idée qu'il a. Ah oui, mais pas du tout responsable de la justice, hein, c'est pas la justice indépendante alors. Ah oui, mais voilà, c'est ce que je pense qu'il a pas compris ça, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il est en contact avec le bureau des enquêteurs, alors qu'aux yeux de la loi, c'est le parquet, donc le bureau du procureur qui est en charge de ça. Mais bon, je sais pas ce qu'il essaye de faire. Bah, après, moi, si juste référent, pas de l'autre truc que vous avez dit, je m'en rappelle plus. Non, logiquement, il n'y a pas à devoir de tenons. Voilà. Mais attendez, ce qui est plus comique, c'est ça qui m'énerve le plus, et voilà, je me suis fait une image sur lui, c'est que je lui disais, est-ce que vous allez vous présenter ? Il me sort, bah non, j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire, je suis occupé. Bah nous aussi. Allez, c'est arrivé. Ah bah voilà. Voilà, par contre, je vais peut-être appeler le commandant pour lui demander s'il a déjà eu contact avec le monsieur Buffett. Je pense, hein, il appelle un peu tout le monde. Oui, il était au commissariat, il est venu au commissariat. Parce que s'il demande accès au casier, comment dire quoi, c'est l'abus de pouvoir, on est bien d'accord. Hein. Oui, là vous pouvez l'attaquer en justice. On est d'accord. Oui, affirmatif. Monsieur le procureur, on est d'accord, c'est l'abus de pouvoir. C'est affirmatif, c'est sûr. Pardon ? L'abus de pouvoir s'il demande d'avoir accès au casier au PDP là. C'est pas de l'abus de pouvoir, c'est tout simplement anticonstitutionnel, donc c'est encore plus que de l'abus de pouvoir. Là, c'est j'appelle chose, le commandant. Ouais, il aurait pas été référent de je ne sais plus quoi l'autre fois, hein, si c'est ça. Oui, commandant, bonsoir, vous allez bien, je vous dérange pas ? Ah d'accord, bon bah je vous embête pas alors. C'est pas grave, je rappellerai plus tard. Non, pas du tout. Pour savoir si vous aviez eu contact avec notre nouveau secrétaire d'État à la Défense. Oui. D'accord, ça marche. Bah, je vous embête pas, merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, il a la session de recrutement, le secrétaire d'État, ouais. Justement. Quoi il a la session de recrutement. Okay, oui, il peut-être qu'il est parti voir comment ça se passait. C'est quoi ce secrétaire d'État de la justice, c'est ça ? Non, sécurité intérieure. Sécurité intérieure et justice. Ah, sécurité intérieure. Et en plus, c'est juste un secrétaire. C'est intérieure. Pas, et c'est dans le nommé document, c'est secrétaire juste... d'État à la sécurité intérieure. Ah, je sais lire, hein. J'ai le communiqué devant les yeux. Non, vous l'avez sur quelle plateforme le sur le site de la mairie. Attendez, on va aller tous voir. Enfin, je vais aller voir. Normalement, il recrute un secrétaire d'État à la sécurité intérieure et à la justice. C'est juste un secrétaire d'État intérieur, il n'est pas à la justice. Donc voilà. Il ne doit pas avoir accès au machin, au site. Dans tous les cas, et encore moins d'avoir le nom. Dans tous les cas, aucun membre du gouvernement ne peut avoir accès au casier judiciaire. Ça paraît logique. Alors, il est secrétaire d'État de la sécurité intérieure, donc à partir de là, on n'a aucun compte à lui rendre. Voilà. On est bien d'accord. Bah, après la police s'il demande et qu'il donne on peut ça rien faire problème. Hein. Bah non c'est pas qu'on peut rien faire moi je vais enclencher des procédures hein, police ou pas je laisse pas à ce que le gouvernement ait accès au truc hein, parce que sinon c'est fini pour nous hein. Enfin on sert plus à rien dans ce cas là on est d'accord mais bon ok bah écoutez et moi ce que je comprends pas également c'est qu'ils viennent de m'envoyer le document, signé à partir de quand, enfin pour la drogue, là. Alors qu'avant, il disait qu'il faisait déjà de la... Enfin, je comprends pas. C'est toute une histoire, leur truc, mais bon. C'est effectif à partir de quand, leur dérogation. Je sous-signe, Raphaël. Bon, je vais appeler l'entreprise, au pire. Ces sociétés peuvent exercer la santé... J'ai une question, peut-être je me trompe. Le cannabis c'est la weed ou rien à voir ? Oui, c'est ça. Le cannabis, oui, c'est la weed. Okay, c'est ça.
Je suis... Je suis intéressé pour... Bon, mission accomplie en tout cas. Oui, allô, je me présente, monsieur Ross Crane. Je suis intéressé pour rejoindre, être agent de sécurité. Ok, très bien. Vous allez sur le profil du coup du leader du gouvernement, de la sécurité intérieure. Oui. Vous avez une petite offre d'emploi et vous postulez avec votre candidature, vous essayez de vous présenter, etc. Donnez vos qualités, vos défauts, ainsi que toute information utile à votre dossier. D'accord, ça marche. Bah, je fais ça. Merci beaucoup. Très bien, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Attendez. Dites-moi ton prénom, s'il vous plaît. Ross Crane. Ok, ça marche. Super. Bonne soirée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ah, il a raccroché. Bienvenue à la deuxième personne qui est là. Bonsoir. C'est le procureur. Ah. Bonsoir. Ah d'accord. Ça va ? Et vous ? Bah écoutez, ça va. Je sais pas si on vous a contacté du coup pour prévenir que Benami sera absent. Oui, bah du coup, on va souvent m'appeler. Ouais, bah allez, courage, hein. Bah, tenez-nous au courant hein, si jamais vous avez des affaires. Vous voulez que je vous donne peut-être mon numéro de téléphone parce qu'il y a le procureur qui part. Il y aura que moi ce soir. Parce que on vient de sortir d'une audience là, vous voyez.
Oui, j'étais là aussi. Hein. Ah bah oui, c'est vrai. Du coup, je vais vous donner alors mon numéro de téléphone, comme ça si jamais... Vous m'envoyez un message et je vous enregistrerai. Ouais, 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 dites-moi. Ouais. Alors, mon numéro. Alors, c'est... Bah, vous connaissez Ross Crane, hein, évidemment. Ouais. Alors, c'est le 19-03-39. Super, parfait. À tout à l'heure, maître. Bah, merci. Moi, en tout cas, je suis assez content. J'ai pu... J'ai ouais, évité la prison à mon client. Ah oui, non, tant mieux, tant mieux. On verra en cours d'appel ce que ça va donner. Mais... Oui, bah, en tout cas, là, pour le moment, je suis qu'avocat commis d'office et juriste, mais... Ok, je suis bah, courage quand même. Je pense que j'aurai bien ma place en tant qu'avocat, hein, ma... non, avec sûr, ça. Bien sûr. Excusez-moi, juste un truc, j'arrive. Oui, allez-y. Bon bah j'ai pu vraiment faire le nécessaire. Elle est où monsieur la félone? Pardon? Elle est où la félone? Elle est garée sur le parking. Attendez. Nickel, c'est bon, je suis du moins. Oui. Ok. Voilà, regardez ma nouvelle tenue de procureur. Vous êtes, cul, hein. Vous êtes un vrai vieux. Un bleu, blanc, rouge, hein. Bien. Ouais. Bien votre tenue, monsieur le procureur. Ah, merci, maître. Vous remarquerez que je suis aux couleurs du drapeau américain. Hein. En effet. Voilà. Voilà. La couleur de la maison de retraite de Los Santos. Ok, bon, bah j'y vais. J'ai dosé, pas le faire. Vous m'avez. J'ai dosé, pas le dire. Je vous suis, je vais où? De quoi? Vous m'avez dit, suivez-moi alors. Ah non, je vous ai dit c'est tout bon. Ah d'accord, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Bon, moi je vais y aller. Ok. A plus. A plus. J'aime bien Otto, il me dit, il me rappelle pas. Oui, allô. Ouais, Otto, c'est bien, tu me dis, tu me rappelles, mais t'es occupé ou quoi? Ah, je suis désolé, je t'ai zappé. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis fait arrêter par les flics, alors tout ça, c'était un peu compliqué. Ah bah, bravo. Bah, avec cette vitesse, hein. Ah, ça, c'est pas bien, hein. Ouais, j'étais un petit peu pressé, j'ai appuyé sur le champignon. Bon, tu m'étonnes. Bon, tu viens me chercher au tribunal, on essaye d'aller boire un coup ou pas? Ouais, je fais juste custom la voiture du Wesel et j'arrive. Ok, bah ça marche. C'est une vingtaine de minutes, c'est bon? Ouais, bah c'est parfait. Allez, parfait, on fait comme ça. Bon, à tout à l'heure. Salut, ciao. Salut.
bien d'y postuler, mais... On postule où? Agent de sécurité du gouvernement. Alors, mon numéro de téléphone. Ah là, du coup, je vais changer parce que c'est pas Chometon là, c'est R O S S. C'est R. C'est R. C'est R A N E. Avocat. Justice. Bon bah parfait, je suis assez content. Je vais rester encore connecté un moment là. Je vais me coucher après. Oui, maître. Oui, vous m'avez envoyé un message ? Pas encore, je vais le faire maintenant. Allez-y. Comme ça, vous avez mon numéro.
Ça a l'air calme ce soir. Hein. Oui. Faut pas crier victoire trop vite. Hein. C'est bon, merci voilà. Beaucoup. Parfait, super, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, l'emmanement. Tac. On va... S. Son numéro c'est le 900. R O C espace H A U S T I N G S C'est pas que c'est... Bah oui, déjà, c'est pas mon truc. Et moi, je suis proc débutant. Hein. Oui, vous êtes là depuis longtemps, donc... Ah non, 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 oulala. C'est pas votre... Pas pour moi. Non, non. Okay, okay, bah, si un procureur général, tant mieux. Hein. Moi, je fais plus les comptes. Parce que là, je fais les comptes, je fais tout. Là, moi, je ferai plus rien. Oulala, ouais. Ça m'arrange rien. Vous en pensez quoi si je tente ma chance alors? Ah, bah, vous pouvez. Après, si vous avez des disponibilités, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Non, non, mais je voulais avoir votre avis avant tout, hein, avant de postuler. Hein. Si c'était faisable selon vous ou quoi. Ah, bah, tout est possible. Ouais. Hein. Mais écoute, je vais voir alors. Ça va, maître? Ça va, merci. C'est calme, hein. Je pense que c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui. À force, je le répète. Ce qu'il nous veut, lui. Ah, vous inquiétez pas. Ouais. J'ai mon PPA. Hein. Ah, oui, oui, oui. Personne qui va venir nous embêter. Bon, ouais, voilà. Je vais passer au nord. Maître, vous voulez venir avec moi ou quoi? Si vous voulez, on peut faire une promenade, hein, ça me dérange pas. Ouais, j'attends mon ami Otto. Il doit venir me chercher. Soucis, pas de problème, pas de soucis. Bon, tiens au courant alors. Oui, y'a pas de problème. Oui. Passez une bonne soirée. Ben, merci, vous aussi, amusez-vous bien. Bonne soirée. Monsieur le procureur. Oui. Oui, dites-moi. Bon, hein, je me suis bien débrouillé ce soir. Ah bah écoutez, c'est le principal. Hein. C'est sûr. Vous êtes au courant que Maître Bellamy... Oui. Oui, il est en vacances. Oui, du coup, s'il y a des affaires, c'est moi qui prendrai la suite. Tout à fait. Normalement, il a dû informer, mais vous pouvez quand même repasser au LSPD pour leur dire... Même je crois qu'il a fait un message, mais pour leur dire quand même, parce qu'il faut leur répéter les choses. Hein. Oui. Le soir, vous pouvez passer, vous leur dites, voilà, Maître Crenche, c'est moi l'avocat de commis d'office dispo en ce moment, parce que M. Benami est en vacances. N'hésitez pas, je suis là jusqu'à peu près telle heure. Voilà, faut se manifester. Hein. C'est sûr. Mais en tout cas, je suis content parce que je gagne des points pour être avocat. Ah oui, hein, si vous plaidez jamais... Bah, c'est pas évident, parce que... On m'a dit, quand il y avait des affaires ou des choses comme ça, d'être avec Maître Bellamy.
Bah oui, vous avez jamais plaidé, donc c'était un peu compliqué de prendre des affaires si vous avez jamais été avocat de votre vie en plus. C'est ça, du coup, je pense que je suis assez content que je gagne des points et je pense que là, ça sera bientôt le cas pour être avocat. Pas tout de suite encore, j'ai encore des progrès, mais ça avance. Vous avez le temps, hein, dans 2-3 affaires, après vous n'avez plus besoin de Monsieur Benami, de toute façon il est en vacances, là, donc vous n'allez pas avoir le choix. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Attendez, excusez-moi. Allez-y. Oui. Le Bickers Garage dans le Nord. Non, tout en Nord, tout en Nord. Bah oui, bah écoutez. Hein. Bah là, en tout cas, j'aurais pas trop le choix de faire. Des affaires avec à la place de Maître Bellamy, en tout cas. Ah oui, vous n'allez pas avoir le choix. Oui. Ah, ça, après, c'est vous, sûr. Vous avez des disponibilités ou comment ça se passe là pour vous là? Je suis dispo à peu près tout le reste de la semaine. Voilà. D'accord. Je me connecte. Je pars dans mon ancienne ville bientôt. Oui. Mais je rentre de ma ville. Excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi, je passe un coup de téléphone. C'est hors P ça. Et lui là-bas avec sa moto. Merde, il répond pas lui. Oh, rien, excusez-moi. Allez-y. Oui, le procureur Hastings est parti au Bickers Garage réparer la félone. Et moi, je suis devant le palais de justice avec Maître Crane. Il y a une moto suspecte qui s'est arrêtée à côté de nous. Vous êtes radio encore ou pas? Ah, c'est toi? Ah, la putain. Ok, ça marche. Mais vous êtes radio? T'es radio encore là? Ok, ça marche. Merci, 107. Ah, d'accord, c'est la moto de notre agent. Je savais pas qu'il avait acheté une moto verte. Ah, d'accord. Oui, du coup, je vous disais, ouais, je serai disponible à peu près tous les soirs. Super, à peu près la fourchette horaire, c'est quoi? Vous avez une petite idée? Non, pas tout à fait, mais entre, entre 20h, 20h30. Ok, ça marche. Ok, 20h, 20h30, et jusqu'à quelle heure? Voilà, jusqu'à minuit, 1h. Ok, ça marche, bah, super. Oui. Bon, allez, moi je vais rentrer à ma maison. Allez-y. Je vous dis bonne nuit et à demain. Bonne nuit, à demain, monsieur le procureur. Allez, hop. Merci, 207. Ouais, mais d'ailleurs, mais alors, bah, une moto verte, si tu m'excuseras. Hein. Ça, c'est la radio. Ouais. Par contre, je sais pas comment l'afficher. La radio, je sais pas comment on l'affiche. Ça c'est le téléphone, ça c'est le téléphone. Ça c'est pour parler, là c'est pour lever les mains. Ça c'est la radio. Je crois que j'affiche la touche. Ça va, maître? Et vous? Ouais, très bien, très bien. Bon, vous travaillez pour la SPD? La SPD? Non, vous êtes 107? Oui, je suis 107.
Vous travaillez pour la SPD ou... Non, je suis agent des doges. D'accord. D'accord. Et oui. Bah, je connais pas tout le monde, hein. Pourtant, on s'est déjà croisé plusieurs fois. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai un peu la tête en l'air de temps en temps. Oh, bah, pas de soucis, ça arrive. Hein. Non, juste que j'ai testé ma nouvelle moto. Ah oui, parce que avec le procureur, on a dit, c'est quoi cette moto suspecte qui s'arrêtait au tribunal? On a eu peur d'un coup, hein. Bonne nuit aussi. Oui, mais je sais. Mais j'ai pas encore le temps d'aller accéder au magasin. au mécano. Et puis bon, j'ai pas encore l'argent pour, donc... Mais bon, après, je pense pas qu'ils se laissent une famille, c'est eux qui se seront habillés en noir et jaune. Hein, sur le moto verte. C'est sûr. Ça serait quand même louche. C'est sûr, je suis d'accord. Eux sont généralement habillés en vert. On dirait un extraterrestre en vert, hein. Oui, mais bon, après c'est leur couleur, hein. C'est sûr. Comme on dit, je suis accusé de ces couleurs, hein. C'est ça. Ouais. Comme moi, vous voyez, je suis en costard noir et une chemise blanche. Ouais. Et des gants. Ouais, vous savez, moi je préfère le noir et puis le rouge, hein. Noir, rouge et blanc. Vous voyez, mon chapeau, il est noir avec le rond. Les trois couleurs, vous avez. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est mes trois couleurs préférées, le noir, rouge et le blanc. Ah bah c'est bien. Moi aussi, c'est mes couleurs favoris. Mais au début, je pensais que c'était une moto. Enfin, je pensais pas qu'il y avait un sticker dessus. Je pensais que c'était l'autre Sanchez, parce qu'il y a deux modèles de Sanchez. Il y a ce modèle-là qui est derrière. Oui. Et il y a un modèle sans sticker. D'accord. Et je pensais que c'était le modèle sans sticker. Bon, je suis un peu dégoûté, parce que du coup, c'est pas celle que je voulais comme Sanchez, mais bon, je vais voir que le Bene, s'ils peuvent l'enlever, du coup, le sticker. Ah, il faut aller voir. Ouais. Mais je vous avouerai que là, dans les temps, je vais dormir, donc. Bon, mais en tout cas... bonne soirée. Bonne soirée et reposez-vous bien. J'irai voir vendredi soir, j'aurai un peu plus de temps. Oui, bah reposez-vous bien en tout cas. Après. Reposez-vous bien en tout cas et... Oh. Et bonne soirée. Merci, bah vous aussi. Merci. Du coup, je vais appeler l'agent de police si... Allô? Je vous entends pas. Allô? Je vous entends pas. Il a un problème avec son téléphone, lui. Allô? Allô. Ah oui, là je vous entends. Ah, nickel. Bon, dites-moi. Je vous appelais pour vous confirmer que, du coup, Maître Bellamy est en vacances pendant 2 semaines. Ok. Et du coup, si y a... je suis le seul avocat commis d'office en ville, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez en tout cas. Ça marche, très bien. Voilà. Et bien, ça va. Eh ben merci bien pour l'info. De rien, bonne soirée. Eh ben bonne soirée. Merci à vous aussi. Hop, tac, hop. Est-ce que j'ai quoi faire pour nourrir? Nourriture. J'ai ça. J'ai pas d'eau. Ah.
C'est vrai qu'il est parti avec le gouverneur. Le... Non, c'est pas ça que je voulais. Fermer le portail. Faut toujours fermer le portail. Bon, j'espère que Otto il va pas tarder là parce que j'aimerais bien aller me pioter après. Je suis assez content. Je vais l'appeler. Monsieur Crane, bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente. Mais non, arrêtez de dire ça, surtout que j'ai encore joué ce rôle. J'aimerais bien, mais que dalle. Oh, c'est sûr. Bon, je vous appelais pour savoir... Je voulais savoir si c'était possible d'aller boire un verre avec vous. Un de ces quatre. Oui, bah bien sûr. Après, en ce moment, c'est un peu chaud au niveau du boulot. Oui. Vous souhaitiez voir un sujet en particulier? Parce que sinon, vous pouvez passer au BV nous voir. Hein. Oui, non, je passerai vous voir, en tout cas. J'ai pas de sujet à parler, à part pour peut-être trouver des avocats supplémentaires, parce que on n'est que deux. Et Maître Bellamy va partir en vacances. Merde. Du coup, je me retrouve tout seul en tant qu'avocat commis d'office dans la ville cette semaine. Et la semaine prochaine, du coup, voilà. Parce qu'il y avait un monsieur aussi, là. Comment qu'il s'appelait? Un roux qui voulait faire avocat aussi. Qui voulait passer... Il faudrait que je trouve son nom. Oui. Comme ça, au moins, vous ne seriez pas tout seul. Ça doit être un peu galère, là. Je lui dirai de se manifester auprès de vous. Oui, il n'y a pas de problème. Nickel. Bon, bah écoutez, quoi qu'il arrive, hein, si vous voulez passer prendre un verre au Bayview, alors peut-être pas ce soir, mais demain, nous serons là, on vous offrira un verre avec plus grand plaisir. Y a pas de problème, merci beaucoup. Voilà, bah bonne soirée, prenez soin de vous. Merci à vous aussi, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Oui, allô? Ouais, Otto. Oui, tu m'as appelé. Oui, je suis à la société de taxi. Si tu veux venir, on boit un coup là-bas avec des amis. Ouais, mais j'ai pas de voiture. En fait, je t'explique. Oui. Je t'explique, j'ai un petit problème. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je me suis cassé, tu vois, quelques doigts. Ah, d'accord. Du coup, par la conduite, c'est un peu beaucoup délicat. D'accord, bah je vais appeler. Je vais essayer d'appeler un chauffeur. Je t'envoie un taxi. Appelle-le, tu lui dis que c'est Otto qui payera là-bas. Ok, ça marche, je lui dis ça, voilà. Ça marche. Appelle-le et puis t'enverras un taxi, dans la voiture tu lui diras d'aller à la société de taxi, que c'est Otto qui paye la course. Ok, ça marche. Voilà. Bon bah à tout Allez, de suite. Allez, ciao, à tout de suite. Ouais. Allô. Ouais, allô, c'est Ross. Ouais. Oui, j'ai Otto qui m'a demandé qu'il était à la société de taxi, il est vers vous, je crois. Et ouais. Il m'a demandé si vous pouvez m'envoyer un chauffeur et que c'est Otto qui paye la course. Ah ouais, d'accord. Bah, attendez, je vais voir avec lui, hein, bougez pas. Ouais, ça marche. Bon, attends 30 secondes, putain, il m'appelle toujours au mauvais moment. Vas-y, valide ça, Maxime, si tu veux aller chercher. Il va où Bah, je sais pas, oui. C'est un peu la merde. Hein. Il s'en va où, Philippe? Il revient? Ah, d'accord. Ouais, si tu veux, ouais, pas de problème. Pas de problème.
Pas de soucis. Ça marche. Bah merci à toi en tout cas, et puis bah du coup je t'inclus dans le drink hein, à partir de maintenant. De manière, je vais faire une annonce là dans la soirée demain. Je vais refaire des annonces pour le hit en plus du Jamaican Food Truck. Voilà, signaler les partenariats qui se passent un peu entre nous. Du coup, moi, en sachant que je vais vendre au prix que toi tu vends habituellement, si jamais tu évolues ou tu fais quelque chose sur ta gamme, n'hésite pas à me contacter. Ah, alors il faudrait que tu m'envoies le particulier, ouais, s'il te plaît. Ah, il est au téléphone, je sais pas avec qui il parle. Oui, je comprends mieux le... Ici, là, devant. Bah, pourtant, ça mène à nulle part. Hein. Je sais pas ce qu'ils foutent, là. Ah, ouais, la grande, ouais. Bonsoir. Vous êtes nouvelle? Oui, oui, oui. Ah, enchanté, Ross Crane, avocat. Enchanté, Madame Levinson. Enchanté. Bon, oui, enchanté. Est-ce que vous pouvez m'emmener à la société de taxi? C'est Otto qui paye la course. Oui, bien sûr. Merci. Ça marche. Du coup, vous êtes nouvelle alors? Oui, c'est ça, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. D'accord. Bon, ça fait longtemps que je suis sur la ville, dans la ville déjà, je suis avocat. D'accord. Oui, vous êtes forcément bien établi. C'est ça. Vous rentrez ou... Oui, non, excusez-moi, c'est la grille qui est... Ah, d'accord. Peu, ouais, et non. Voilà. Merci beaucoup. Pas de soucis. À demain, Benny, Kathleen. Des bisous, ouais, Hubert. Salut, Hubert. Bonne soirée, Hubert. Salut, Otto. Ah bah, attends. Ça sera un taureau. Ah bah, Rouf. Excuse-moi, ma bichard. Bonne soirée. Merci, toi aussi. Quelqu'un a un bandage, s'il vous plaît. Ah oh, putain, je les ai laissés au bandage, un bandage. Non, y'a pas de bandage, y'a pas de bandage. Oh putain, regarde, oh putain, regarde. Otto, oh, putain. Bonne soirée, messieurs, dames. Ah, ouais, bonne soirée. Bonne soirée, Maxime. À demain. Tu me tiens au courant, hein, du coup. Ouais, oui, t'inquiète pas, on se fait ça demain. Ça marche. Ouais. Salut Maxime, à la prochaine. Tu as dit quoi? Ouais, salut, champ. 5000, elle a dit 5000. Elle va te faire la facture. Oui, 5000. Ouais, 5000 dollars pour monsieur. Oula, oula, allez, alors oui, alors on va diviser par beaucoup. Par 100. Il est parti, cet enculé d'Hubert. Alors, c'est 23 dollars, si jamais il y a une petite pièce dans la poche. Non, je peux pas lui donner en espèces plutôt, ouais. Le pourboire de lui en espèces, je l'appelle. Il est où, Otto? Ah, mais il est là.
En espèces. Mais reviens, enfoiré. Et tu lui feras la facture juste de la course. Ah bah non, 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 non. Bah si. Bah si. C'est pas grave. Attends, comment tu vas gagner ta vie sinon ? Comme ça, ça fonctionne la rue. Oui, non, bah ouais. Tu vas soutirer non plus de l'argent. Mais non, c'est lui. Mais non, il voulait te demander une facture de 200 dollars. Tu lui fais la facture de base et il te donnera en espèce. Oh putain ! Ah mais je savais pas que c'est pour toi. Mais non, c'est pour lui là. T'es sérieux ? Je pensais que c'était pour moi. Pour moi, pourquoi ? Y'a quelqu'un qui a appelé les EMS là ? Non, non, moi j'ai essayé juste d'appeler Otto. Ouais. Oh bordel, y'a du monde là. Pas mal la combi des plongées. Pour moi. Ça va tranquillement. Toujours, toujours. J'ai pris un sacré point américain. Ah oui, quand même, venez avec moi alors, venez avec nous. Ah, ça va. Ok, c'est lune et à la rousse. Non, c'est pas la rousse, c'est rousse, tout court. C'est ce que j'ai dit. Ouais, bonne soirée, blessé. Bonne soirée, patron. Bonne soirée, vous avez recruté ? Ah, du coup, je mets à quel nom le. Bah, justement, mais sur on essaye. Hein. Ah, mais si tu savais, maintenant, les taxis, c'est une vraie plaque tournante. Il y a trop de monde qui. Oui, alors oui, ça fait beaucoup là quand même. C'est pas grave, gardez pour vous, c'est bien. De quoi ? Ouais, je vous remercie beaucoup en tout cas. Maintenant, on va livrer. On va livrer. Ouais, bonne soirée, encore merci. De rien. Et salut, maintenant, on va livrer aussi le. Bon, et toi ? Donc, on aura le vin, des vignardes, la champagne. Bon, on boit le verre ici. Et aussi, bah ouais, du coup, j'attends la commande, mais avec demain, les EMS, je reçois les bières. Ouais, les ça marche, y'a pas de problème. Tête dans le fût, voilà. Tiens, bah regarde, ça va, y'a mon employé. On livre pas mal des choses maintenant, quoi. On passe à Gadol, putain. Aïe, bah, ouais. C'est à Noël. Step. Oui. Ça va. Vous êtes pas revenu depuis. Bah, attendez, je suis avec un médecin. Ah merde. Mais c'est du chiqué, il a rien du tout. Mais ça fait 2-3 fois que je vais aux toilettes. Je suis en train d'appeler les EMS tout le temps. Vous êtes toujours aussi. Oui. C'est juste comment allez-vous ? Ça va et vous ? Vous avez changé de teinture de cheveux ? Ouais. Ah, ça fait longtemps. Je vous reconnais pas. Bon, c'est vrai que d'habitude vous avez pas un bonnet, non ? Si. Ah, un bon lancement. Hein. Ouais. Et du coup, voilà, si je pouvais avoir un petit quelque chose. La facture, c'est pour le monsieur. Oui, bien sûr, je vais vous donner un petit quelque chose. Ça va vous faire du bien. Merci, monsieur. Là, à la droite, là. C'est lui qui a un truc, un médicament ? Non, je crois pas, non. Non, tout en bleu. Oui, je paye, moi. Ouais, il prend les deux factures, Merci Otto, tiens, zoom sur ce que tu m'as fait là. Zoom. Excusez-moi les gars, y'a moyen de déplacer l'ambulance ou pas ? Oula, oula. Prochaine voir aux EMS, ils ont besoin d'un contrat. Bah, parce que la pauvre rousse, elle peut pas sortir. Oh merde. Désolé. Un contrat devant, ça peut être sympa. Putain, mais elle lui rend pour rien, c'est qui l'a ramené là aussi ? Attends. Ah ouais, Noël, il est. Va falloir. On va lui mettre des petits coups derrière la tête plus souvent. Pardon ? Oui ? Ah d'accord, pour son tonus un petit peu. Il est possible que vous soyez. C'est pour bander plus dur. Exactement. Non, il est déjà trop excité. Ah ouais, non, il est déjà trop excité, ça c'est sûr. Il est possible que vous soyez très très excité, hein, oui. Ok, merci beaucoup. On fait une petite facture ? Oui, j'attends ça. Aïe. Monsieur ? À quel nom alors ? Du voisin Monsieur ? Nous. Alors, Otto ? Hop. Vous savez, ça change rien. Ah bah, il s'en va. Bah ouais. Il faut que je vous paye, mais par contre, est-ce que vous aurez un petit truc pour moi ? Parce que j'ai fait un malaise tout à l'heure, j'ai pas assez bien mangé. Ah ouais, c'est ce que je veux. Hop. Enfin, pour être honnête, je me suis endormi dans le ciel. Il faut pas manger ou. Non, j'ai tout ce qu'il faut à manger et à boire. Ah, non, c'est juste que je me suis endormi tout à l'heure au bureau et du coup bah, je me suis pas rendu compte mais j'ai fait plusieurs malaises quoi. Je suis à facture au canon. Auto la tombe. Oh ils payent tous toi. Alors oh de tes os. Pas comme c'est L A C O M B. Ouais. B E. Non. C'est ça. Ça fait. Où t'apprends à conduire auto parce que tu finis dans les ravins. Ah, comment tu sais ? Bah, j'étais là, hein, oui. Ah, c'est c'était toi ? Bah, oui, c'est moi qui suis arrivé en premier. Ah, mais merci beaucoup parce que franchement, vous avez géré. Moi, j'ai eu la photo, moi. Ah, la vache ! Mais on m'a rentré dedans, je t'ai apprécié. Quand j'ai su que c'était toi, oui, j'ai mobilisé toutes les unités.
Ah mais attends, ils m'ont rentré dedans, j'ai volé, le mec s'est arrêté, il m'a regardé, il est parti. Je m'étonne pas quand t'es rentré dedans. Et voilà. Merci bien. Merci. Ça va mieux Noël? Ouais ça va, ça va, ça ah va. Bah, ça avec va un viaduct, ça va toujours mieux. Je suis excité comme une puce là. Oh, là, là. Il est déjà excité à longueur de journée, bah alors là... Je suis en feu là, je veux pas dormir là. T'as le droit de toucher à tout le monde sauf à Otto, d'accord? Malheureusement. Et s'il dit oui. Et Kathleen, je t'en prie, tu te retournes, t'en prends une. Tu parles à qui? À toi? Je bouge pas. Je me fais. Par contre, faites attention, ça commence un peu à se voir. Mais ça va, je suis en chino. Vous voulez des glaçons ou pas? Pardon. Vous voulez des glaçons non ou pas? Non, non, ça va me donner d'autres envies. Non, non, ça va me donner d'autres envies. On arrête là. Et du coup, tu voulais quoi, Otto? Rien. Moi, je vais vous laisser dans les. Dans les excitations de glaçon, hein. Et puis je vais aller fumer ma cigarette. Wow, Otto, tu restes là, Otto, ou tu retournes au Wesel? Je retourne pas au Wesel, moi. Putain, mais il me dépose là, Hubert, il est parti comme un chouette. Ah bah, tu prends un taxi. Hein? J'ai besoin d'un taxi. Oh, j'avais été sûr qu'il allait demander à quelqu'un. Non, mais je demande. Mais quel charreau! Mais non, ça va, mais je demande. Il va lui faire le coup de la panne. Tu voulais pas me présenter à ton salarié, Otto? Ah, si, pardon. Ross? Messieurs, dames? Oui. On est parti. Bonne soirée, non, j'appelle à vous, merci. Merci les Ross, docteurs. À la prochaine. Du coup, bah, mon employé. Est-ce que t'as Noël un client ou pas là? Oui. Et bah là, c'est un avocat. Enchanté. Non, tu t'en servir. Si tu veux un client, il y a. Oui, c'est vrai que ça peut me servir. Enchanté, Ross Crane. Enchanté. Bon, t'inquiète pas, je vais. Content de faire votre connaissance. Moi aussi. J'hésiterai pas à vous appeler si je suis accusé de quoi que ce soit. Vous inquiétez pas. Là, vous êtes très très bon dans votre registre. Non mais registre. Tu peux prendre cet appel-là, je vais m'occuper de l'autre personne, oui. T'inquiète. Et du coup, Otto, on a ouais à peu près 20 lignes pour l'article, tu penses que ça suffit? Oui, bah oui. Après, on fera une belle photo de Kathleen et de Benny. On attend, on attend dit, et puis Kathleen, de toute façon, elle aime pas les mecs. Non mais on veut une photo des deux... Tu vas perdre ton temps. Mais non, mais on veut une photo des deux devant l'entreprise avec un taxi. Mais Benny, il voulait qu'on attende qu'il fasse jour demain pour pouvoir la faire. Ah, ok. Du coup, demain, on boucle ça. Et je t'envoie ça vendredi. Nickel. Ça me va. Allez, parfait. Parfait, parfait. Bah, c'est bien, t'as bien bossé. Bah, comme d'hab, hein. Travail bien fait. Bon, enfin... c'est le premier job que tu fais. Mais non, non. Me dis pas comme d'hab. Non mais c'est j'ai hier, pas encore vu l'article. Alors, hier on a géré trop aussi. Hier on a géré en vrai. Ouais. C'était cool, ouais. C'était stylé. Ouais. C'était chié dessus. Bon, c'est ça, quand je t'amène. Après ils nous ou... ont fait patienter de fou, c'était hyper long. Oh là. C'est moi ou il y a un camion qui est tombé à la renverse là-bas? Ah, il n'y a plus. Ah ouais, ok, c'est celui-là. Putain, c'est. Joséphine Ange Gardien est arrivé. Ouais. C'est ça. Moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Ça marche, salut, à bonne demain. Soirée, salut. Mais tu pars comment là? T'inquiète pas, je me débrouille. Je rentre totalement à pied. Allez, bonne soirée. Salut. Bon, y'a quelqu'un qui est à boire s'il vous plaît? Mais oui, oui. Merci. Tu veux quoi? Du vin, de la bière? Ah non, du jus de... Du jus de carotte ou du bon, jus de fruits. Je vais aller me reposer, moi, salut. Non de... Coucou, Otto. Coucou, demain. Ça va, je prends. Non, Kathleen. Tu vas pas t'en aller, quand même, là. Pourquoi? Merci. D'arrête. Pourquoi? Bah, non, je voulais que tu restes un peu. Attends, on a même pas discuté, rien. Bah, moi, je bouge, j'ai pas de taureaux. Mais je t'avais dit de payer en plusieurs fois, tu m'as dit non. Bah ouais, mais moi je voulais salut, pas faire chier, moi. Prado. C'est pas une entreprise, y'a pas des factures. Ouais, bienvenue à toi. Tu sais très bien que j'ai donné le coffre à Benny et tout, je m'en tape. Ouais, c'est que de l'argent. Hein. Moi j'ai pu te tuer Philippe. On va pas avec. Hein. Après, au pire, fais un leasing. Et tu pars avec un neuf. Mais y'a plus de taureaux sans vente. Bah. Ah ouais? Mais si, je crois qu'il y en a encore. Qu'est-ce que c'est que cette voiture toute dézinguée là? Il y a des gens qui passent là-dedans, elles sont. Je sais pas, mais c'est les régisseurs, rien. Ah, c'est bizarre. Ouais, c'était une longue soirée aujourd'hui là. Ah ouais?
Ah ouais, c'est... Bah, surtout le premier, bah après j'ai eu qu'un seul cas. Hein. Non, merci. J'ai eu juste une audience ce soir, je me suis bien débrouillé comme je t'ai dit au téléphone. Hein. Après c'est bien pour tes débuts en plus. Si t'entends quelqu'un qui veut un balleur, tu m'en parles. Un balleur? Tu le vends? Ouais. Combien? Vraiment un grand mini 55 hein. Pas plus bas, mais sinon 10-65 sinon. Non. Il est pas full custom? Bah non, moi j'ai acheté 70k. Ah non, c'est trop cher, ma biche. 70k j'ai acheté, oh. Ouais, je sais, mais du coup j'en veux pas. Tu m'aurais dit full custom 60, 65 000, 70 000, je te l'aurais pris. 80 000, je te l'aurais pris aussi. Bah 55. Mais là, non, 55, je l'ai pas. Il y en a pour même pas 20 000, hein. Ouais, pour je sais, mais non, je l'ai même pas. En plus, tu te débrouilles avec l'auto, enfin pas avec l'auto, mais. C'est moi, toi. Je me débrouille avec l'Adriel, il te le fait pas cher. De quoi, le custom? Il fait pas de custom? Mais il te fait les pièces. Bah non, tu peux pas aller au custom avec des pièces, hein. Il te refuse. Ouais, Bah ouais, parce que sinon il y a de l'abus. Tu le connais pas, le gars? Non, c'est un nouveau patron. Avant, je connaissais très bien Fantasio, donc j'arrivais à négocier un peu les prix. Tu vois, il faisait toujours des remises. Au pire, tu magouilles. Tu te dis que dans le Nord, t'en avais pourtant. Non, parce qu'ils connaissent les prix du Nord et ils savent très bien que le Belize, il est plus cher. Et le Nord, il est moins cher. Bah là, il paraît que c'est l'inverse, donc. Ah, maintenant, c'est l'inverse? Ah bah, il se trouve pareil. Oui, mais tu sais, le Nord, ils disent ça tous les jours. Hein. C'est l'inverse, hein. Non, non, c'est véridique. Oh putain. Bah écoute, tant mieux. Non, mais après, je sais pas ce que je vais en faire clairement. Mais pour le Wesel, tu vois, ça aurait été sympa. Mais pas 50k. 55, je crois, que tu mets 25 000 de custom. Non, mais en vrai, même full custom, il m'intéresse pas, tu vois. C'est juste la voiture en elle-même, en fait. C'est pour les mettre, tu sais, en véhicule d'entreprise. C'est vraiment pour le Wesel, là, pour le coup. D'accord. Mais ouais, non, je peux pas, j'ai déjà dépensé dans la petite coccinelle que j'ai acheté là. Non, je suis dégoûté. Après, mais là, on vente sur la Finlander. Je le partage même si tu veux. Bon, je suis pas. Bah, ça part vite sur la Finlander. Ah bon? Ouais. Oui, ça part assez vite. Après, mets-le à 50 000, au moins tu le vendras plus facilement. Clairement. Je mets 60 à débattre. Il te le prend. Bah, débattre. Même, ils t'appelleront même pas. Parce que là, les gens, ce qu'ils regardent, c'est les prix, tu vois. Après, il y a beaucoup de nouveaux en ville. Et ton véhicule, il est pas du tout recherché, tu vois ce que je veux dire. En plus, ils font chier là-haut. Là, ils l'ont. Il était à vendre dans le sud, ils l'ont repris là-haut, ils sont cons. Ah ouais, putain. Ah putain. C'est la merde. Attends, j'ai appelé Hubert, est-ce qu'il a récupéré la voiture? Bah non, Léon, je l'ai pas vu ce soir. J'ai pas de nouvelles de... J'ai essayé d'appeler Rico. T'es parti coucher, Rico? Bah oui, j'ai parti coucher. T'as le numéro de Danny Fitzgerald ou pas, Otto? Alors... Moi, je l'ai, je crois. Danny Fitzgerald. Je l'ai bien sûr. Oui. Je l'ai, Danny, moi. Danny, il est là. Tu lui donnes ou je lui donne? Pas comme tu veux. Ah, oh, y'a un autre appel. Alors, 935-508, je le prends celui-là. 935-508. 508, ok. Qui c'est que je voulais appeler déjà, moi? Rico. Non, Hubert. Rico, il est pas là. Ah. Du coup, c'est mort. Les clés, Benny. Par contre, avant bonsoir de partir... à la deuxième personne qui est là. Un appel. Attends. Putain. Allez, les trois au boulot. On est bientôt à la fin du live là. Ah, il est où l'appel? Mais juste à côté l'appel là. Fais, en fait. L'emmènement à le deuxième qui a sonné. À 3h. Ouais, attends, je demande juste si c'est du 3h de live, c'est déjà pas mal. C'est Noël. Putain, il y a plein de courses là autour. C'est vrai? Vas-y, je donne une clé. Attends, je te dis déjà. Attends, bonsoir, c'est pour un taxi. Attends, Kathleen, avant de partir. Bonsoir, un taxi. Ouais, les deux, c'est pour des taxis. 299 ou 754. Prends le 700. Prends le 19. Bah, tu as pas les appels. Tu es con. Rousse, n'hésite pas à me dire quand il est dispo. La pauvre charbonne de ouf. Kathleen, du coup, tu as pris lequel? 299 ou... Ok. Attention, poussez-vous. Ah oui, putain.
Bon, ça va, Isaac? Ça va et toi? Ça va, ça va. Alors, comme ça, je suis un beau gosse, je sais pas quoi? Hein? C'est Christelle qui m'a dit ça. Ah ouais, t'es un beau gosse? Christelle, elle me voit, elle me dit, ah, Isaac, il t'aime bien, tu sais. J'ai dit, ouais. Bah, en même temps, on a fait des pokers ensemble. Ah, me dit, salaud. Ah, je savais pas. Mais t'es là? Ben, je lui dis, bah oui, je lui dis, mais t'étais là, Christelle. Ah merde, j'avais oublié. Je reviens, j'ai Christelle, sérieusement. Ouais, pas de soucis. Bonsoir, monsieur. Bah bien sûr, bah ça se voit, hein. Je te croise partout. Ouais, mais clairement. Mais t'as tellement bien fait. C'est bah il fallait, hein. Il faut recruter un de toute manière. J'étais partout, j'avais même. T'imagines moi là en fait. Je devrais courir encore. Encore, tu courrais partout. Il est pas là ce soir, chose. Parce que il y avait pas de, il y avait pas de trucs sur live, genre tu sais tout ce qui est vidéo, tout ce qui est article, bon, y en avait pas presque pas. Je pourrais aller me coucher. Il y en avait de temps en temps. Mais maintenant que t'as une grosse équipe. Elle avait pas le temps en fait. Déjà à l'époque. Parce qu'avant c'était Christelle qui était le voisin. Ouais, avant c'était Christelle. Et elle avait pas forcément le temps, logique. Elle avait bah, c'est chaud quand t'as pas une grosse équipe. Hein. Et quand t'es toute seule, bah c'est la merde. Et moi quand je suis arrivé tout seul, j'ai commencé au début. Mais c'était trop compliqué. Tu cours partout, tout le monde t'appelle, tu dois aller des là-bas. Quoi oh, bah, moi je m'en souviens. Hein, que... C'est Bagdad. J'essayais de t'appeler, ouais, désolé, je suis occupé. Bah... Ok, ouais, parfait, pas de problème. Et c'est où? Bah tu dois diriger ton équipe quoi. Et l'équipe et voilà. C'est ça le rôle d'un directeur de base hein. Bah ouais, bah pareil tu vois moi je suis, enfin pas directeur, je suis PDG de Vine mais je me vois pas faire ça en fait. Moi j'aime bien aussi bosser dans mon coin parce qu'embaucher des gens juste pour qu'ils travaillent pour moi je suis pas fan non plus tu vois. Moi j'ai un métier passion donc forcément. Après voilà le OSL m'appartient attention, je suis PDG hein. Mais ouais, maintenant mais oui, je l'ai oui. mis en collaboration avec le gouvernement. Du coup... si tu veux, le gouvernement a son mot aussi à dire. Juste attends que je le décide. Si demain je dis bah non, finalement j'ai plus envie qu'on soit dans le gouvernement, bah par contre je perds mes subventions. Ouais, et ça sera pas le cul. Mais ça sera plus la même chose parce que du coup je pourrais peut-être plus avoir les mêmes équipes que j'ai là en fait. Ouais. Là à l'heure actuelle, mes équipes sont payées par le gouvernement. C'est pour ça que je me suis permis de recruter à Donf. Ouais. Là à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai deux journalistes présentateurs, donc Hubert et Lamia. J'ai un co-directeur. C'est qui? C'est un directeur adjoint que j'ai pris, Mathéo. Ah, c'est Mathéo, ça. Ouais, il gère les équipes, il me seconde. Et après, j'ai du coup deux caméramans, et un rédacteur et une rédactrice. Bon, bah c'est parfait, ça, c'est goupille bien. Tu vois, 3 appels d'un coup, alors que depuis tout à l'heure, on se fait chier comme des rats. Ah, c'est bien, ça. Ouais, mais t'imagines, quand même, c'est tellement aléatoire, quoi. C'est un bordel. C'est les heures. Fin de soirée, les gens, ils veulent rentrer. Mm-mm. C'est ça. Mais oui là moi je profite, je revis. Mais tout le monde me le dit, hein. Il y a beaucoup de gens qui me disent ah c'est bien autour, on voit plus et tout. Bah c'est clair. Bon on te voit tous à l'autocar quoi. C'est ça. Mais tu sais à l'époque quand j'étais à l'assurance, je peux demander à Benny, on sortait tout le temps. J'avais une vie de dingue, je sortais tout le temps, j'allais tout le temps voir les potes, j'étais tout le temps fourré avec les potes. J'étais jamais à l'assurance quasiment. Bah et puis en plus c'était simple de parce que vu qu'on était à l'autocare, on vendait l'assurance pour le partenaire avec l'autocare donc. Bah puis après une fois que t'as vendu l'assurance, ça tombe tout seul sur le compte en fait. T'as rien à refaire à part appeler des clients. Exactement. Ouais, ouais. Et par contre quand j'ai repris l'OSL au démarrage, oh, c'était l'horreur. Ah Benny. Ouais. Attends faut que j'ai vérifié l'état de mon compte. Est-ce que tu pourrais me déposer au tribunal? Je vais aller rentrer chez moi et je vais aller dormir. Ah tu as dodo? Oui, ça... j'ai eu une longue journée. Tu veux pas un verre de vin d'ailleurs? Non merci. Oh, t'as même pas bu un verre de vin. Tu veux un verre de vin, Benny? Oh, un petit, il veut pas nous accompagner un verre de vin là? Mais oui, allez, accompagne-nous. Tiens. Bon, d'accord. Putain, je m'en sors pas. Hein. Il y a encore des bières d'ailleurs sur la table. À qui j'en ai pas donné? Moi. Hop, j'ai posé par terre. Oui. Allez. Tu veux une bouteille de vin, Isaac? Bah vas-y. Allez.
Tiens. Putain, ça va vite, hein. Et merci. À la vôtre, santé. Santé. D'ailleurs, la prochaine fois que tu fais une soirée, putain, il est bon. La prochaine fois que tu fais une soirée, tu peux appeler, tu peux m'appeler pour le drink maintenant. D'ailleurs, vous avez pas réservé, les gars. J'ai besoin de savoir. Vous venez demain ou pas au Wesel pour les portes ouvertes? Qui, moi? Bah, moi, je vais chapeauter le taxi, donc moi, je bosse. Enfin, j'essaierai là, mais je vais bosser, quoi. Pour quoi? Je fais une soirée porte ouverte au Wesel News pour présenter nos projets. L'équipe, boire un coup, manger et voilà, fêter ça, fêter la reprise du Wesel, etc. À partir de quelle heure? Que j'avais pas le temps. 21h30. Ah bah c'est bon, ouais, je vais. Depuis le temps, je te demande d'aller visiter tes locaux, ça sera à l'occasion. Bah voilà, du coup, c'est la visite en même temps. Bon bah tu peux me compter dedans. Je me fume une petite clope, t'es pas pressé? Non, ça va. Allez, une petite clope. Non, il est pas pressé, t'inquiète. Non, mais ça me fait plaisir, et toi, Isaac, passe quand même. Bon, si tu veux, mets-moi, mais j'ai pas envie de prendre la place de quelqu'un. En plus, Isaac, tu peux prendre un taxi. C'est gratuit. Tu prendrais la place de quelqu'un? Bah, je sais pas, si tu mets sous réservation, c'est qu'il y a plusieurs... y a quelques places, non? Il y a pas des non, places. Non, il y a pas de place. C'est juste d'accord. Pour que je sache qui vient et la quantité de monde. Ok. Bon, note-moi. Hein. Je passerai de toute façon. Parce que Crystal, elle avait réservé pour toi, apparemment. Ouais, je croyais, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. C'est ça. Parce que bien, Crystal, c'est qu'elle fait des trucs, mais elle te revient pas. Des équipes quand même. Un coup, c'est gratuit. S'ils ont le temps entre deux, c'est le gouvernement qui paye. Selon qui est là. Non, même pas, c'est moi qui paye de ma poche là, honnêtement. Ah ouais? Ouais. Non, ça va, alors t'as bien je choisi le. Je me tenais à cœur de faire ça, j'avais dit que je ferais un truc pour la reprise du Wesel quand même pour fêter ça. Et je l'avais pas fait parce que bah il y avait. Voilà. Beaucoup de problèmes. Maintenant que c'est fini et tout est plat, bah c'est bon. J'espère. Bah déjà, tu peux compter. Léon, il sera là en tant que taxi. Déjà, c'est lui qui te fait la mise à dispo. Ce sera lui sur le contrat. Rousse, je pense qu'elle sera pas là parce qu'elle arrive tard. En général, elle arrive vers les 23h. Ah oui. Ouais, mais après, elle vient dans la journée. Donc, tu vois, c'est des créneaux qui me vont aussi. Tu vois. Comme ça, tu vois, même si elle n'est pas là la soirée, il y a Léon. Et quand Léon, par exemple, il travaille aux Bahamas, bah, j'ai personne. Même Kathleen, quand elle travaille aux Bahamas, j'ai personne du coup. Ouais, ah oui, putain, c'est quand ta soirée c'est jeudi? Bah ouais. Demain, ouais. Attends, mais jeudi, j'ai l'impression... Attends. Non, mais oui, c'était toi, en fait, dans ma tête, s'il y avait un truc, fallait que je me dépêche à faire, mais c'est toi, et je t'ai livré tout à l'heure, donc c'est... Oh, voilà, il fallait que je la remette. Attends, je vais y aller, les gars, parce que j'ai super mal. Ouais, t'inquiète. Que j'aille, là. J'ai forcé de ouf ce soir. Ouais, j'espère que demain j'aurai pas trop de travail. Je peux pas le faire. Mais y a pas Benami en avocat ou si... Alors maître Benami, il part en vacances dans la semaine et il revient pas avant 2 semaines. Et du coup, je suis là, je serai le seul avocat commis d'office dans la ville. Deux semaines, il part. Oui, c'est ça. Putain, il y a le temps d'avoir toute la ville qui change en 2 semaines. Ouais. Et du coup, oui, je comprends pas le jugement des Lost. Tu l'as pas défendu? Non, j'y étais pas. Je suis parti. Les gens ils roulaient avec des voitures sans porte. Ça marche, c'est reçu, ouais. Non, j'étais pas au DOS. J'étais occupé, comme je t'ai dit. J'étais dans ma ville natale. J'avais beaucoup de travail. Du coup, j'ai pas pu être là. C'est qui s'occupait des Lost du coup? C'est un avocat Bellamy. Qui a été. Non, même pas. Non. Même pas. C'est un avocat à qui ils ont fait appel d'une autre ville pour venir exclusivement sur cette enquête. Ah ouais? Ouais, il est reparti, je crois. Ah oui, en effet. Il était bien. Et du coup, encore, je dois encore plaider trois affaires et monsieur le procureur me déclare officiellement avocat après. Ça marche. Du coup, tu sais, il y a très longtemps de ça, j'avais porté plainte contre des gars en ville. Oh putain, il y a un appel aux Wesel News. Est-ce que quelqu'un prend? Personne ne prend. Benny, j'ai besoin de toi. Tu veux que je te dépose? Allez, vas-y, je vais chercher la oracle. C'est parti. Je vais le déposer au palais de justice direct aussi. Yep, vas-y. Oula. Mais y a plus personne. Oh là.
Il est où? Eh, je sais pas. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Bon, du coup, j'espère que je vais pas avoir trop d'appels parce que je suis quand même le seul avocat actuellement en ville. Ouais, bah après c'est ce qui fait ton salaire. Ouais, mais après je suis que commis d'office. Hein, ah non, mais toi t'es payé par le gouvernement directement. Tu prends ton service au moins. Ah oui, toujours. Là je suis en service depuis plus de 3 heures déjà. Ouais. Du coup, voilà. Mais encore comme... Ah, téléphone, non? Effectivement. Oui, allô? Oui. C'est vous qui avez sonné au Wesel, c'est ça? Je suis en route. J'arrive. À tout de suite. Attends, dire à Philippe qu'on revient. Bah ouais, attends. Philippe, on revient. Ouais, vous allez où? Oh, je vais vite fait au Wesel. Oh là là, ok, d'accord. Ouais. Gueule parce que je t'entends pas par contre. Ouais, il y a celui-là, hein. Non, gueule. Attends, il est bien. Ah, c'est mieux. C'est bon? Ouais. Je disais, on arrive, on va vite faire au Wesel News et déposer un monsieur. Ouais, y'a pas de soucis. Et on arrive. Y'a pas de soucis. Ça marche, à tout de suite. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai c'est même pas le procureur de San Andreas qui veut me voir. Le procureur, ah oui, quand même. Ouais. J'ai même pas dit au revoir à Isaac. Non, bah il a eu un petit souci de tête, je crois. Ah, d'accord, ouais, je comprends mieux. Oh, j'ai fait des contrats avec tout le monde, Otto. Mais t'as raison. T'as fait des contrats avec des entreprises, c'est ça? Ouais, du coup, j'ai fait le hit, le drink. Putain, je me suis trompé de route. C'est bien. Le hit, le drink. Et bah j'ai les pièces au prix que ça comme les fait et comment dire le autocar me répare. Bon bah merci beaucoup, bonne soirée les gars. Ouais pas de bonne problème. Soirée, à plus tard. À plus tard, salut. Ça fera salut. $45. C'est Otto qui paye. Ah bon d'accord. Allez bonne soirée. Ah il a trouvé allez, la bonne soirée. Phrase lui. Ouais il a trouvé la bonne phrase lui. Je vais prendre la fin de mon service et je vais mettre. Ça fait plus d'une heure que je suis là. Ça fait un. Arrêter son service. Ouh, c'était une longue soirée ce soir. Fais voir combien j'ai gagné. Pouh, je suis à 13 000. Bon bah en tout cas c'est tout bon pour moi là. Je vais aller me déconnecter parce que ça fait du beaucoup de travail en tant qu'avocat, surtout ce soir c'était long. Du coup voilà. On va aller faire dodo. Parce que demain je taffe. Et voilà. Du coup voilà, ben en tout cas je vous dis bonne soirée à tous. Ici c'était Mick Art Gaming. Salut à tous.